Bonjour, bonjour. Mariam Chigada, si tu m'as écrit sur WhatsApp, je n'ai pas répondu. Tu écris encore. Tu as compris? Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ma page. Bienvenue dans le direct de la Gloire Glorieuse. Donne-moi tout. Check. Bonjour Mariam, Martine. Too many distractions, so many problems. Voilà. Le dernier outil qui n'a pas sauté de ma boîte de maquillage. Ok. Je vais parler de comment relancer sa vie aujourd'hui. Vanessa Nubisi, quand quelqu'un vient de commencer à me suivre, quand tu viens de tomber sur mes vidéos, première chose que je te demande, avant de chercher à ce que je te consulte, lave-toi avec du sel. Donc, tu prends trois pincées de sel ou bien une cuillère à café de sel. Tu mets dans 3 litres d'eau. Tu lis le psaume 35 dessus. Et 91. Bonjour Newton. Après avoir lu les deux psaumes-là, tu prends l'eau là, tu te laves avec. En disant et prononçant tes désirs. Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Bonjour Karine, bon réveil à toi. Je veux juste te repréciser. Ah, hier, j'ai fait un direct et j'ai parlé des gens qui ont été bloqués par. C'est un dépôt qu'on a fait dans leur partie sexuelle. J'ai une dame qui m'a écrit ce matin, très tard, vers 1h30. Elle me dit donc elle a fait un rêve pendant qu'elle faisait un des kits. Je crois que c'était le kit de déblocage plus plus. On a plusieurs kits qu'on vend. Donc, elle sait que pendant qu'elle faisait ce kit, elle a rêvé. Un de ses sexes est venu dans le rêve, lui dit qu'il avait déposé des choses dans son utérus, c'est ce qui empêche donc que elle ne se marie. Donc l'une des voies de votre délivrance, c'est que le Seigneur va montrer. Parfois, c'est que cet homme-là peut être possédé par un esprit qui utilise sa sémence, son sperme, pour pouvoir te faire ce genre de choses. Voilà. Et il n'en est pas conscient au premier degré, mais il a une sorte de haine ou une jalousie. Ouais, ça arrive. Ça arrive que tu sois avec quelqu'un qui soit jaloux de toi et il fait des choses, deux, trois trucs pour te bloquer. Voilà. Je n'interprète pas les rêves aujourd'hui, Marie. Tu as compris. Je veux. Vous savez que sur ma page, j'aime bien que vous preniez l'esprit de business. Ok, Miquette, si rien ne change et que tu fais déjà les bains de sel. Ben, je pense qu'il y a un peu rien que je peux faire pour toi. Hein. Tu vois, ça manque. Désabonne-toi, mamie. Je ne sais pas moi ce qu'il peut te dire d'autre. Josiane, vous m'écrivez. J'ai peut-être 680 messages non lus. Donc, si vous écrivez, écrivez encore. Écrivez encore. Ne faites pas comme le président Macron. Jocelyne, je t'ai écrit. Je t'écrirai plus. Ok. Donc je demande la présence du Saint-Esprit, pendant que je vais enseigner ce matin, que vous puissiez avoir les idées appropriées. Je mets de l'ordre dans vos pensées pendant que vous m'écoutez. Voilà. J'ai intitulé ceci comment relancer sa vie, parce que beaucoup d'entre vous, ça fait des mois que vous m'écoutez et que vous faites votre travail spirituel, et j'ai l'impression que vous êtes toujours buté. Devenir riche en 48 heures. Bah, Diago, va te laver avec le sel. Tu n'auras pas besoin de venir dans mes vidéos pour mettre tes publicités.
Donc Chantal dit que les bains de sel aident. Quand il voit quelqu'un qui me dit que le sel ne l'aide pas, je ne veux même pas parler. Parce que tu as le mauvais cœur et tu attends toujours que c'est quelqu'un d'autre qui vient faire quelque chose pour toi. Bon. Beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez comme je disais. Et ça fait des semaines que vous écoutez ce que je dis. Vous pensez toujours que je suis comme une marionnette dans votre téléphone. Et que je ne comprends pas vos problèmes. Et que je parle seulement pour parler. Et que je n'ai aucun intérêt à ce que vous deveniez riche. Et vous pensez même que ce que j'ai dit n'est pas vrai. Bon, voilà Iwa qui dit que le bain de sel marche. Voilà. C'est que les gens vont souvent venir pour dire, ouais, je me suis lavé au sel, rien n'a fait. Ce n'est pas, le sel n'est pas, ce n'est pas moi qui ai créé le sel. Vous comprenez, non? Donc ne crois pas que ce n'est pas un de mes produits que tu as acheté, tu as essayé, ça n'a pas marché. Le sel marche à tous les coups. Donc si ça ne marche pas pour toi, Elodie, qui t'avait demandé les heures de bain de sel là, quittez. Tu te laves d'abord avec le sel. C'est ça votre problème. Vous êtes trop sceptique. On dit quelque chose, tu veux d'abord savoir à quelle heure il faut se laver. Commence. Commence quand même. Bon, je ne savais pas qu'il faut se laver peut-être à 8 heures. Moi, je me lavais plutôt à 4 heures. Commence quand même à 8 heures. Tu peux être sans papier, tu as l'argent. Tu peux être au Maroc, tu as l'argent. Donc il n'y a aucun noir que tu connais qui a eu du succès au Maroc, ou à Dubaï, ou en Turquie, ou en Tunisie. Vous devez comprendre que la terre où vous êtes actuellement pendant que vous m'écoutez, ce n'est pas par hasard. Et les choses ont commencé à avoir un sens dans ta vie quand tu vas quitter ton esprit charnel. Moi, je voulais partir en France. Je voulais partir en France. J'ai quitté une banque et je suis venu m'installer en Afrique. Parce que j'étais dans une bande de personnes en ligne, là, les coachs en ligne qui disaient, allez en Afrique, on peut réussir en Afrique. Hein? On peut réussir en Afrique. Et j'étais toujours en bain. Et les gens de l'Afrique me disaient toujours, ah, c'est pas, tu parles comme ça parce que tu ne connais pas. Tu parles parce que tu ne connais pas. Il faut venir, tu vas voir. Vous savez ce que j'ai fait. Je me suis jeté dans la gueule du loup. Vous dites-moi que l'Afrique est dure comment? Je peux aussi venir voir. Je vais aussi venir voir votre Afrique qui est dure. J'ai porté mes choses 3 semaines, pas, j'ai tout emballé, tout ce que je faisais en France. Ça fait 3 ans que je suis en Afrique. Le 19 juin, ça a fait 3 ans. 19 juin 2019, j'ai mis mes choses, j'ai atterri à Douala. Vous savez que j'ai toutes les histoires, non? J'ai toutes les histoires. Je suis arrivé ici, ma carte bancaire de la France était bloquée. J'ai pris c'était Crédit Agricole. Je ne savais pas que pour activer la carte Crédit Agricole, il fallait le faire dans une machine Crédit Agricole. Je reçois ma carte, je n'active pas. Et j'avais même pas mis France CFA sur moi. J'avais pas, parce que j'avais fait 17, 18, 19. J'avais fait 2 ans sans partir au pays. Et avant les 2 ans, là, j'avais fait 10 ans sans partir au pays. Donc j'ai fait 10 ans en Europe. Je suis parti en Afrique me marier. J'ai fait 3 semaines, je me suis marié. Je suis remonté en Europe. Je suis arrivé en Europe, tout a échoué dans ma vie. Le mariage qu'elle venait de faire. Tout. Everything. Par là. Ça s'est gâté en avril 2018. Je m'étais marié en novembre 2017. On a fait 5 mois de mariage. Bonjour India va. India via. India, je sais pas. Bonjour India.
Et quand ça se termine, en partant, il prend les choses à la maison, il part avec. Je me retrouve avec une maison vide, un loyer qui est dû. Parce qu'il est parti le 6 et on payait le loyer le 5. Donc, s'ils avaient porté tout l'argent, mes petits 800 euros que la CAF devait me donner, ça ne pouvait même pas payer le loyer. Notre loyer était 790 euros. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, merci à ceux qui partagent ma vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui vont me regarder comme si c'était la photo. Regardez-moi toujours. Vous n'allez rien profiter de mes vidéos. Je suis à tomber au moins 50 fois. Je me suis relevé 50 fois. Je ne lirai pas vos énergies aujourd'hui. Vous aimez trop ce qui est éphémère. Il y a des jours, ça me prend, je vous dis ça sur TikTok. Il y a des jours où je veux que vous compreniez la racine des choses. Vous avez suivi TikTok. Donc si tu es ici pour qu'elle lise ton énergie, tu peux partir. You hear me now? Voilà. On te parle, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dès qu'on dit ce que ça veut dire, ça t'a aidé à avoir l'argent aujourd'hui. Ça t'a aidé. Sachez aussi que quand vous êtes à terre, ce qui vous préoccupe va déterminer là où vous partez ou pas. Ce qui reste dans votre tête est ce que vous dites. Hey, le rêve là voulait même dire quoi? Hey, on me poursuivait dans mon rêve. Hey, toute ta matinée, tu vas penser à ça. Alors que tu n'as même pas 500 francs pour manger. Tu n'as même pas 500 francs pour manger. Tu as abandonné avec trois enfants. Voilà la rentrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, si vous voyez que mon bébé va venir prendre les idées, c'est là qu'ils vont vous aider. Quittez. Voilà. Je suis restée en 2018. J'ai 790 euros de loyer. 860 euros que la CAF vient de me donner. Et je suis seule dans une maison où il y a un lit. Pas de table, pas de chaise. Télé aussi, il avait pris. Il avait vidé une chambre de ce qu'il y avait. Le lit, il avait pris. Il voulait porter l'autre lit. Je suis allée me coucher sur ça. J'ai dit que tu me faisais l'amour dans la maison sinon. Tu ne portais pas le lit ici. C'est quelle méchanceté que tu pars de la maison, tu veux porter tout. Parce que c'est toi qui as acheté. Souvent, les gens ont le mauvais cœur sur vous. Hein. Ça ne veut pas dire que tu vas tomber. Souvent, tu es avec quelqu'un comme ça. La personne connaît que tu vas réussir. Parce que quand il est en train de dormir, tu es debout, ma chérie. Tu es en train d'écouter les vidéos. Tu es en train de planifier les choses. Vous devez toujours avoir des ressources. Tu dois avoir un mental d'acier. Parce que souvent, la personne va venir pour te décourager. Il rentre, il se fâche. Hein? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Hein? Tu fais toujours ça. Hein? Ah, tu regardes le truc, ce n'est même pas genre assez grave. Je vais te faire douter de ta capacité de femme. Ouais, ça fait 2 mois qu'on essaie d'avoir l'enfant. Tu n'as pas l'enfant, pourquoi? Mon frère, c'est moi qui mets l'enfant dans mon corps. C'est moi. Parce qu'il a vu peut-être ton business marche un peu. Ou tu as fait ta page, ou tu as déjà même 1000 abonnés. Et ça te plaît. Ça te donne un peu de quelque chose qui t'encourage. Voilà, j'ai mes 20, j'ai mes 2000 abonnés. Voilà, ma page augmente quand même. Hein. On va te rappeler quelque chose qui te fait. Vous ne connaissez pas la bataille dans laquelle vous êtes. Vous ne connaissez même pas. Si vous saviez, je me sachez si vous saviez. Le matin, il est parti un soir vers 19h. Il a pris peut-être de 19h à 22h pour retirer ses choses. Parce qu'il avait loué un appartement qui était de l'autre côté de la. On était dans une sorte de d'un endroit avec 3, avec 5 appartements comme ça, là, 5 immeubles comme ça, qui faisaient un cercle. Et en février, il y avait une violence conjugale. Il m'a tapé dessus à un extrême, parce que je suis parti à l'hôpital, j'avais le cou cassé. Et j'avais appelé la police. À partir du jour là, sa famille avait dit que. Il faut que tu fasses tes choses de ton côté. Que la femme là peut te détruire. Il dit, ah bon, hein? Donc ma beauté là qui va prendre. Ouais, comment je suis belle là, non? C'est Dieu qui m'a aidé.
C'est Dieu qui m'a aidé. Que dans le couple là, je ne suis pas sorti avec une cicatrice ici là comme ça. Il dit que mon frère, tu prends mon outil de commerce, mon frère, que je vais faire comment? Mon gars. Il a porté son canapé, puis un à un, de sortir avec. Porter sa télé, porter son lit, première chambre. Quand il voulait porter pour la deuxième chambre, je dis jamais. Quand il part, il reste dans la chambre comme ça. Je sors, je regarde le salon et vite. Je crois que j'avais pris des photos cette période-là. J'ai dit que je vais me relever de ça. Je me suis rappelé qu'en Angleterre, il y a cela 1 an ou 2 ans, j'avais fait du Airbnb. Toute la nuit, j'écoutais des motivations au lieu de pleurer. Pénis là, pénis de. Ouais, Seigneur. Péninia, on m'a dit comme ça. C'est qui Péninia? Péninia là, c'est qui qu'on n'a pas encore vu? C'est quelle fille qu'on n'a pas encore vu? Tu peux vivre sans Péninia, hein? Tant que tu as ton argent. J'ai fait environ 3 mois avant d'annoncer à qui que ce soit dans ma famille. Avril, mai, juin, juillet. C'est en juillet que j'ai commencé à dire aux gens que voilà, il est parti. La nuit, j'ai écouté beaucoup de motivation. Donc, ce qui va beaucoup vous aider, ce sont des vidéos de motivation. Très important. La deuxième chose, quand tu auras des petits malheurs qui vont t'arriver, c'est ce que tu avais mis dans toi depuis des semaines qui va t'aider. Donc, vous êtes en train d'écouter mes vidéos, vous pensez que ça ne vous aide pas. Quand un petit malheur va venir là, oh, telle personne est tombée là-bas, oh, oui, il faut aller à l'hôpital, il faut dépenser 2 millions, sinon elle va mourir. Quand le malheur va frapper, c'est ce qu'il y avait dans ton cœur que tu avais déjà mis comme énergie qui va t'aider. Bah, ça va faire que tu ne tombes pas. Quand ton cœur tombe, donc déjà tu as peur. Parce que tout se passe là-dedans. Donc, il y a Vanessa qui dit, les sujets de passé, et quand tu ne travailles pas, ils te rappellent ça. Oui. Parce qu'au départ, non bébé, je veux que tu te restes à la maison t'occuper des enfants. Après, tu ne travailles pas. Tu dois payer les factures dans cette maison. C'est pour ça que vous devez toujours, même si c'est les petits cheveux des gens que tu tresses. De temps en temps, tu tresses, ça te donne ton 50 euros, 100 euros. Sinon, tu vas te retrouver comme les serviettes. Et si tu veux saigner, il a dit, oh, donne-moi même, mais tu n'as pas 5 euros. Ta mère est malade au pays. Ouais, maman est malade. Depuis 2 semaines que tu lui dis. Maman va mourir sans qu'il envoie quelque chose. Je crois que j'ai passé toute une nuit. J'ai écouté le matin, je me réveille. Je vais essayer de trouver une des vidéos que j'avais fait le lendemain du jour où il est parti. Je vais regarder sur la page 2018. J'avais fait des vidéos. Avec le salon vide là, je me suis mis là. J'ai fait 2 vidéos de motivation. Tu peux reprendre ta vie, vas-y, ouais, ouais. Et quelque chose m'a fait comprendre que je ne voulais pas être dans ce mariage moi-même. Parce que quand il est parti, la première chose que j'ai fait le lendemain matin, c'était de venir faire mes vidéos. Première chose. Je suis parti sur le bon coin. Donc tu dois avoir une stratégie. Et quand il est parti, je n'avais pas l'intention de faire Airbnb. Mais dès qu'il est parti, la nuit, j'ai comme eu une révélation. D'accord, je n'avais pas l'argent. Donc vous ne devez pas avoir peur d'appeler qui que ce soit à qui vous devez de l'argent pour diviser vos dettes. Parce que l'une des pressions que vous pouvez avoir qui va faire que tu ne te relèves pas financièrement, c'est la pression de rembourser quelqu'un. Madame, voilà, même ton banquier ou ta banquière peut comprendre. J'ai appelé le bailleur. Voilà, monsieur, on n'a jamais manqué un loyer. On a toujours payé nos loyers à temps. Pour le mois-ci, est-ce que je peux payer la moitié maintenant? Et dans 2 semaines, je paye l'autre moitié. Il n'y a pas de souci. Et si on regarde même logiquement, je consomme 2 semaines. Je paye 2 semaines, je consomme 2 semaines. Après, je paye 2 semaines, je consomme 2 semaines. C'est logique. J'ai eu la chance, il a accepté. Je sors 380, je pense, ou 90. 390, un truc comme ça. Sur les 800 que j'avais, je lui donne. Voilà la moitié de l'argent qui est parti. Je crois que j'avais payé ma dîme. Je crois que j'avais payé aussi ma dîme. J'avais fait longtemps sans payer ma dîme. Je crois que pendant mes 1 an de relation, je n'avais pas payé de dîme. Et
le mois d'avant, je lui ai dit, voilà, je retourne, je vais continuer à obéir à mes principes bibliques, je vais payer ma dîme. Donc, je paye la dîme, je paye la moitié pour le loyer. Je vais sur le bon coin. Je cherche. Bon, j'avais deux idées en tête. J'allais relancer mes croquettes et mes beignets. Et j'allais mettre mon appartement à louer sur Airbnb. À l'église, j'avais quelqu'un. Voilà, Josiane dit, mariage raté, je me suis prise en main. J'ai pris un crédit pour m'installer dans mon appartement. Dieu merci, j'ai mon emploi. Maintenant, ajoute à ça d'autres sources de revenus. Ajoute à cela d'autres sources de revenus. Je ne veux pas que vous soyez des followers qui sont seulement la tête vide. Vous voulez seulement les dire. Écoutez, aujourd'hui, je ne parlerai, je ne vais interpréter le rêve de personne. Vous comprenez? Donc, si tu es venu pour le rêve, tu peux partir. Voilà. J'avais deux plans. Je savais coiffer, mais en France, je ne connaissais pas encore les gens pour dire que je peux relancer la coiffure. Parce qu'en Angleterre, ça m'avait donné de l'argent. Donc. Par contre, je connaissais les magasins africains. Souvent, je disais même à mon ex que, allons, faisons des trucs qu'on peut proposer là-bas, non. Mais pour lui, c'était un petit et petit agent. Il ne voulait pas les petits agents. Il voulait beaucoup, beaucoup d'argent. Il ne voulait pas là que tu fais 3 heures de temps, ça te donne 50 euros. Tu fais des croquettes pendant 4 heures de temps. Et tu vends, ça te donne 50 euros de bénéfice. C'était petit. Voilà. Donc, je suis allé sur le bon coin. J'avais acheté le canapé. Un canapé en cuir à 70 euros. Le monsieur est venu livrer ça à Reims à 10 euros. Vraiment, je crois que j'avais eu de la chance parce que j'avais acheté un canapé en cuir qui était même un canapé lit. Donc, j'ai payé, j'ai trouvé ça en ligne, je l'ai appelé, je l'ai supplié, pardon, viens livrer. Il a porté son oiseau. Parce qu'à Reims, en France, pour trouver quelqu'un qui va prendre sa voiture pour aller te prendre quelque chose. Donc, j'ai cherché quoi? Une table. J'avais cherché la table. J'ai cherché une table aussi que j'ai achetée. J'ai cherché le frigo. Le frigo m'avait coûté 35 euros sur le bon coin. Et j'avais cherché le lit. J'ai trouvé le lit. J'avais un ami, un gars qui me draguait un peu. Là, il faisait un genre comme s'il ne voulait pas me draguer. Mais il voulait qu'il me draguait un peu. Donc, je lui ai demandé, ouais, s'il te plaît. Est-ce que tu peux aller porter ça pour moi? Donc, et j'ai donné 10 euros de carburant. Donc, on peut dire quelque part que s'il avait 10 euros, ça veut dire qu'il ne peut pas venir dire que oh, j'ai porté ton canapé, ton lit, donne-moi l'argent. Donne-moi, viens avec moi pour dîner. Donc, je lui ai donné 10 euros pour ça et j'avais acheté le lit à 50 euros. Donc, sur mes 350 euros qui me restaient, j'ai enlevé 80 euros pour le canapé, j'ai enlevé 60 euros pour le lit, j'ai acheté, je crois que j'avais acheté le micro-ondes à 20-25 euros. Moi, mes 25 euros, puis des cas. Et je suis allé à Ikea, j'ai acheté des verres, j'ai acheté une petite table blanche Ikea, c'était peut-être 7, 6 euros, 7 euros, 8 euros, je sais pas. Ouais, les petites tables que tu fais, tu vises comme ça, non. Donc, on va dire 10 euros pour la table. Donc, j'avais gardé une partie d'argent pour faire les croquettes. Donc, supposons que tu as terre maintenant, tu dois chercher une chose qui va te donner l'argent. Qui n'a pas besoin de ton temps physique. Une chose qui va te donner l'argent, qui peut prendre ton temps physique. Parce que généralement, quand on prend ton temps physique, on te paye immédiatement. Et ce qui ne prend pas ton temps physique, parfois ça prend du temps avant de se lancer. Mais c'est la vision. Aujourd'hui, Facebook et TikTok me donnent de l'argent. Ce sont des choses que je n'ai pas... Ça fait longtemps que je suis dessus. Je me rappelle que pendant toutes ces étapes de ma vie, j'avais toujours la page Facebook. Donc, vous devez avoir des. Tu dois avoir un plan sur le long terme, tu dois avoir un plan sur le court terme, tu dois avoir un plan sur le aujourd'hui terme. Je ne sais pas si vous entendez le aujourd'hui terme. Genre, tu es bloqué, tu n'as que 20 euros. Et on cherche une babysitter. Le babysitting, ça c'est aujourd'hui, on va sûrement te payer le soir. Pendant que tu peux faire le babysitting, je sais que dès que ça atteint un certain son, pendant la nuit, je peux fabriquer des croquettes. Tu repars à zéro dans une ville où tu as juste le matelas au sol. Les hommes sont des sorciers. Je dis, tu n'as pas besoin d'insulter les hommes. Ils nous font du bien. Tu ne peux pas savoir. Tu cherches le travail qui peut finir à 16 heures. Tu es étudiante. Tu es en Colbison. Amandine, contacte le numéro suivant. 655 31 0750. On cherche du personnel. Zuleika, bonjour.
À Yaoundé, on cherche du personnel. Dans la création d'emplois ou de création de sources de revenus, arrêtez de chercher à imiter les gens. Parce que malheureusement, j'ai remarqué que beaucoup d'Africains aiment trop imiter les gens. Bonjour Anastasie, merci. Merci pour les roses. Je te les retourne. Zuleika, je te retourne tes roses. Il y a des pays où tu peux louer la maison de quelqu'un, tu fais le Airbnb sans souci, il ne te dérange pas. Il y a des pays, par exemple au Gabon, il ne te dérange pas pour le Airbnb. Au Cameroun, certains bailleurs vont voir que tu prends, tu fais le Airbnb, l'argent commence à entrer, il devient jaloux. France, je crois qu'il faut être un peu méticuleux. Et normalement, c'est mieux quand tu es propriétaire. Voilà. Donc, comme je disais, tu dois avoir ton plan. Les croquettes, par exemple, ça, c'est un plan sur à court terme. Il y a le court terme qui ne demande pas de qualification. Genre, pour faire les croquettes, je passe sur YouTube, je passe 2 heures de temps. Je suis sûr que j'aurai la bonne recette des croquettes. Vous voyez un peu. Merci pour les roses, mes chéris. Merci. Donc, tu dois avoir dans tes plans court terme. Et généralement, les trucs à court terme, ce sont des trucs qui ne demandent pas trop de connaissances. Genre, viens balayer le sol, on te paye. Viens, tu vois un peu. Maintenant, pendant que tu fais ça, tu as envie de venir où, Gaïa? Pendant que tu fais ce qui est à court terme, qui ne demande pas de connaissances, tu dois avoir un projet moyen terme et un projet long terme sur lequel tu travailles. Très important. Parce que ce qui est à long terme va sûrement demander que tu maîtrises des compétences, genre éditer des vidéos, apprendre à parler devant une caméra. Ça m'a pris des années pour apprendre à parler devant une caméra, pour apprendre à faire des conférences. Ça m'a pris des années. Ça m'a pris des années pour pouvoir façonner une formation. Pour Yaoundé, j'ai donné le numéro. Vous devez maîtriser l'outil informatique. Parce que j'ai trop de messages non lus, j'ai trop de pages. Il faudrait des personnes qui puissent maîtriser ça. Il faut avoir un bon cœur d'abord. Si tu as le mauvais cœur, ne passe pas. Donc, tu as des compétences court terme. Tu vas en ligne, tu apprends à préparer le héros. Tu fais le héros, tu vends. Tu es à Paris, hein. Tu fais peut-être les beignets, tu vends. Tu fais les gâteaux d'anniversaire. Tu peux apprendre à faire des gâteaux d'anniversaire. Tu peux apprendre à faire des gâteaux d'anniversaire. Maintenant, ce qui te donne l'argent aujourd'hui, ce n'est peut-être pas ta carrière. Maintenant, tu dis dans le moyen terme, c'est-à-dire dans un mois, je vais être connu comme quelqu'un qui fait les gâteaux d'anniversaire ou de mariage. Maintenant, dans 2 ans, je vais être connu comme quelqu'un qui a une page où elle a des make-up. Donc, ça veut dire que pour ces make-up, je dois commencer à prendre des cours de make-up en ligne peut-être. Je peux commencer. Donc, une femme, un homme, je ne sais pas, vous m'écoutez, c'est tous les sexes. Vous devez avoir vos stratégies dans la tête. Je sais que malheureusement, tout ce que j'ai dit, certaines personnes, vous aimez toujours qu'on vous aide. J'ai toujours l'homme qui va venir changer votre vie. Quand l'homme vient, il voit une femme qui a ce qui sait là où elle va. Lui-même, là, il ne simplifie pas. Je ne comprends pas cette affaire que... Bonjour, la reine Kamini. Je cherche un homme qui va changer ma vie. Hein? Je cherche un homme qui va changer ma vie. Je veux un riche milliardaire. Tu la vois comme ça, là, même 100 000, le mois, elle n'a pas. Tu vas aller dans quoi? Seulement, tu seras belle. Parfois, elles ne sont même pas belles. Tu vas encore donner quoi, mamie? Dis-moi alors. Voilà. Bon, supposons que tu ne sais rien faire dans ta vie. Quand ta mère, tu grandissais, ta mère ne t'a jamais forcé pour que tu viennes à la cuisine voir comment on fait frire les œufs. Si tu m'écoutes sur un réseau social, ça veut dire que tu as accès à YouTube. Va sur YouTube, tu cherches les repas de la ville ou du pays où tu te trouves.
tu regardes comment on fait. Tu achètes les ingrédients. Tu prépares. Tu fais les photos et les vidéos. Tu mets ton contact sur ça. Tu mets les vidéos là sur TikTok. Tu mets en astérisque, c'est quoi là, en dièse, la ville où tu te trouves. Tu dis on livre. Donc tu ne connais rien faire, mais tu as les mains, tu as la tête, tu as le téléphone. Tu peux être au Nigeria ou au Maroc. Hein. Tu apprends à faire comment faire le jollof rice, comment faire le moi moi. Ça, c'est l'étude des Nigériens, parce que j'avais côtoyé les Nigériens en Angleterre. Tu pars, tu regardes. Ok, tu viens aussi. Tu achètes, tu testes, tu testes, tu testes. Tu peux même trouver la personne, la vidéo de la personne que tu regardes, là, tu peux lui écrire. Tu dis, qu'est-ce que je peux te payer pour que tu m'apprennes? Tu donnes même 20 euros. Il regarde comment tu fais. Il critique ou bien il apprécie. Le tarot. Tu ne sais pas, tu n'as jamais été intéressé au pays quand on faisait le tarot. Maintenant, tu es à Washington. Il y a une communauté camerounaise grandissante. Apprends à faire le tarot. Le Moulinex, c'est l'ami du tarot, la sauce du tarot. Moulinex, l'autre jour, je reçois les gens à la maison. On avait fait le conjoint avec la sauce du tarot. Oh Seigneur, que ça me manque. Donc voilà ma ménagère. Elle prend, elle tournait, elle voilà, elle tente de se casser, elle tournait la sauce avec les mains. Et lui faisait un genre comme si ça fuyait. J'ai dit, oh ma chérie, ben nous a aidé. Mais moi, ça la monnaie, tu tournes pendant 2 minutes. Elle prend, elle met dans mon nez. Elle appuie, vous. Elle était dépassée, choquée. Hein? Elle dit, oui, c'est vous qui souffrez encore. Si tu t'intéressais un peu à YouTube, tu saurais. Quand on voyait les blanches faisaient la sauce dans le moulinet, on se moquait d'elle. C'est pour ça que la blanche fait la sauce, c'est même plus bon que pour toi. Et que nous on connaît les trucs traditionnels. Arrêtez. Ça, c'est l'orgueil. J'insiste beaucoup sur la nourriture parce que tout le monde mange dans tous les pays. On mange partout. On mange partout. Vous me suivez? Et je ne pense pas que tu peux avoir une main qui est tellement moche. Le genre que. Non, je ne pense pas. Parce qu'il y a les recettes. Elle tombe, c'est le béaba. Voilà, Ngamini dit qu'elle va commencer pour elle ce matin. Regardez ce qui est tendance dans la ville où vous êtes. Question nourriture. Quand tu arrives dans une ville, ne viens pas t'isoler dans la chambre chaque jour. Ah, tu sais, tu peux être en Italie, tu fais les pizzas. J'ai vécu avec un Italien en Angleterre. Il m'a appris à faire la lasagne avec le parmigiana reggiana. J'ai vécu avec une fille de la Sierra Leone. Elle m'a appris à faire le potato leaves de leur country là, de leur pays. J'ai appris à faire le jollof rice. Gaïa, je suis au Gabon. Hein. Peut-être tu crois que je suis en France. Que tu veux le certificat d'hébergement. Fais la réservation d'hôtel. Apprenez à être indépendant dans vos choses. Tu apprends, tu fais, tu goûtes. Jusqu'à toi, tu confirmes que c'est ça. Ou tu pars dans un autre restaurant de la ville là qui fait ça. Tu compares avec pour eux, tu guettes, tu goûtes, tu achètes et tu goûtes. Quand tu veux te lancer dans quelque chose, tu dois savoir investir. Le peu d'argent que tu as, Dieu même va comprendre. Josiane, voilà alors une bonne question que tu as posée. Comment faire une activité quand tu travailles de 8h à 16h30? Josiane, tu fais quoi entre 4h30 et 8h? Tu fais quoi entre 17h et 23h? Si ce n'est la paresse. Tous ceux qui me suivent et qui ont déjà été à mes séminaires ou mes ateliers, vous connaissez que moi, je dis toujours, ta journée est divisée en 3 parties. Avant 8h, de 8h à 16h, 17h, et après 19h.
Quand tu rentres le soir, tu fais quoi? Tu es sur TikTok, non? Et tu es même sur TikTok, tu regardes les choses qui ne t'aident pas. Et c'est quand on va donner les idées comme ça, là, vous allez vous asseoir sur ça. Manger. Même pour manger, dans l'esprit, il faut l'argent. N'est-ce pas? Donc, quand tu vas commencer à travailler, tu vas devoir te discipliner. Parce que quand j'ai commencé, j'ai commencé le Airbnb en avril, mai. En juin, je suis partie en Turquie. J'avais pour économie déjà 2000 euros que j'ai mis de côté, en ayant payé le loyer, en ayant résolu tout. J'avais mis de côté pour économie. J'avais déjà pour économie 2000 euros. Fin juillet, j'étais dans les 3500 euros. Parce que j'étais en mode pointage. Jean Gabin, pour manger, il faut l'argent, non? Donc, tes heures, tu peux dire que de 4h30, parce que c'est parce que tu fais au lit à 4h. De 4h30 à 7h30, tu as fait combien d'heures? 4h, 5h, 6h. Donc, tu as 3 heures de temps. En 3 heures, généralement, je vendais les beignets en journée, Jean. Donc, supposons que tu veux fabriquer quelque chose que tu vas mettre chez un boutiquier. J'ai très envie de vous bloquer, les gens qui sont en train de me déranger sur TikTok là. Je me réveillais à 4h, je faisais la pâte des beignets. Et quand tu fais avec la levure qui gonfle rapidement. Quand tu fais avec la pâte qui gonfle rapidement, à 45 minutes c'est gonflé. Donc tu peux taper, tac, tu fais frire. Si à 5h30 tu es en train de faire frire, 6h30 c'est déjà froid. Je faisais frire, c'était en hiver. Donc j'étalais sur la table, j'ouvrais la fenêtre. Donc le froid de l'hiver là tapait sur ça. Et puis j'emballais rapidement. Voilà, Laurentine dit que son téléphone portable, c'est son gagne-pain. Elle a commencé à vendre le forêt en ligne depuis 2017. Aujourd'hui, elle vend en ligne. Aujourd'hui, elle a les recommandations. Beaumaillé. Et c'est parce que Beaumaillé me dit. J'ai fait une formation de make-up, manicure, pédicure et onglerie. Elle dit que je sors de maison, je sors tout mon matériel. On aura besoin de mes services. Ça, c'est très bien. Parce que pendant que tu as utilisé la compétence que tu pouvais avoir là, le foléré, tu peux faire le foléré en un jour. Tu as utilisé l'argent de ça pour payer la formation qui allait sur le long terme. La formation de make-up peut prendre 3 mois. Ça dépend. Ça peut prendre 6 mois. Maintenant, quand tu finis, tes compétences ont augmenté. Parce qu'on n'est rien sans les compétences. Plus tu connais faire. Ok, mon mari, ça veut dire beaucoup. Hein? Ok. Plus tu connais faire, ou plus tu connais, tu as des compétences, plus cher on va te payer. À l'époque, pour une heure de mon temps, supposons, hein, je vais quantifier avec le temps. Tu es coiffeuse. Tu fais 4 de temps sur la tête de quelqu'un. Tu lui fais les trucs sélingalais là. La personne te donne 70 euros. En Angleterre, généralement à l'époque, il y a cela 4 ans, on me payait 50 euros. Pour 4 heures sur la tête de quelqu'un. 50 pounds. Ça veut dire qu'on vient de me payer. Et quand tu fais 4 heures, il y a encore 30 minutes parce que tu as tiré la mèche, parce que tu as coupé les bouts, tu as gna. Donc, on va dire, mettons environ 5 heures de temps. Donc, ça veut dire que je suis payé presque 10 pounds de l'heure. Et ce n'est même pas les longs shifts. Ce n'est pas le long shift. Parce que quand il fait 4 heures ponctuelles, après, ça peut être, c'est la seule personne qui coiffe aujourd'hui. Il va encore attendre peut-être demain, après demain. Donc, ce n'est pas stable, ce n'est pas sûr. Vous voyez un peu. Pendant ce temps,
j'ai commencé à écouter des vidéos, aller à des séminaires, me former pour apprendre à conseiller les gens. Et j'ai aussi développé mon don. L'interprétation de rêves, lecture de destinée. Et j'ai aussi le don spirituel qui est venu s'ajouter dessus. Que je peux, je prie, tu es délivré, toutes ces choses-là, vous connaissez. Mais avant que ça d'abord, je suis une hosteleur. Avant que les ancêtres me donnent le pouvoir de guérir les gens. Que je prends, ça dit que va, tu, je bénis quelque chose, je te donne, tu passes, ça te soigne. Avant ça, j'avais d'abord mes compétences que j'ai développées moi-même. Maintenant, aujourd'hui, je peux prendre quelqu'un, il fait 15 minutes avec la personne. La personne me donne 100 euros. 15 minutes. Et parfois, mes minutes sont alignées. Je peux passer une journée comme ça. Je passe 4 heures de temps que je suis en consulter. Donc, c'est une capacité que j'ai développée. J'ai aussi une autre compétence. J'ai appris à façonner des programmes. J'ai appris à transmettre mon savoir. Je me rappelle qu'elle venait de commencer en 2018. J'étais à Reims, en France. Je passais souvent toute une nuit. Comme je vous dis que je ne sais pas ce qu'on fait dans la nuit, là. Les gens de mon bureau, là, j'avais pris un bureau au centre d'affaires de Reims. C'est en face de l'université. C'est sur l'avenue Eisenhower. Les gens, là, savaient que c'est... Moi, c'était la nuit que je pointais là-bas. Parfois, je passe 6 heures de temps. De 20 heures, peut-être à 2 heures. Je ne fais que faire des vidéos. Je mets devant la caméra, je parle. Après, j'arrête, je regarde, je juge. Donc, tu peux avoir un rêve, mais ça va te demander du temps. Et pendant ces mois où je travaillais sur ce talent d'oratrice, de coach, je devais manger. Je devais payer mon loyer. Donc, ce que j'avais fait à court terme, parce que je me levais le matin très tôt, je faisais les croquettes, là, tout. Je partais déposer dans les magasins. J'arrivais généralement au bureau vers 13h. Et je rentrais, je quittais le bureau parfois. Il y a des jours, je quittais à 3h. Il y a des jours, je quittais à 22h. Parce que quoi, les derniers trams en France, là-bas, c'est dans les 22h. À Reims, surtout. Paris, c'est un peu plus tard que ça. Télé, écoute, Joseph, je vais te bloquer. Tu as compris? Tu as compris, non? C'est tout ce qu'il dit depuis là, tu n'as rien suivi, il va te bloquer. Télé, écoute, Joseph. On dit quelque chose qui va vous aider. Non. Donne-moi l'argent aujourd'hui. Je t'apprends une compétence qui va te donner chaque jour 50 euros. Ou je te donne 1000 euros aujourd'hui. Non, donne-moi 1000 euros aujourd'hui. Vous aimez trop ce qui est immédiat. Donc, quand tu te commences à développer ces compétences, si tu peux, tu rentres dans une tontine. La tontine te permet de mettre de l'argent de côté. Parce que pour prendre un certain crédit à la banque, tu ne peux prendre le crédit sans avoir toi-même ton propre argent pour faire l'apport. Pas dans n'importe quelle banque. Tu dis, je veux l'argent. On va dire, toi-même, tu as combien? Même à la réunion, quand tu pars pour porter l'argent, tu ne viens pas le premier mois, on te donne. Non. Donc, développe cette capacité que... Et j'ai remarqué un truc sur l'argent, hein. L'argent, les problèmes vont toujours venir quand il y a l'argent. Supposons. Voilà, Belle Joie dit qu'elle a vendu les goyaves. Amour, tu ne peux pas me poser ton problème, tu as compris. Voilà. Le mois, si tu as 1000 euros de salaire, tu as les problèmes de 900 euros. 950 euros. 1000 euros, c'est presque 670 000. 655 000. Tu as le problème de 600 000. Donc, il reste seulement 55 000 que tu peux économiser. Supposons maintenant, le mois prochain, tu as une maladie qui te prend 400 euros. Il te reste 600 euros. Tu ne sais pas comment tu arrives à vivre avec les 600 euros le mois là. Tu dis, mais... Le mois passé, j'ai fait des problèmes de 950 euros.
Comment ça se fait que le mois-ci, ou bien je donne de l'argent à ton patron, il t'a coupé tes 400 euros avant de te donner 600 euros de salaire. Tu vas te rendre compte que tu as vécu avec 600 euros, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand tu décides d'épargner, c'est une décision. Les circonstances viendront. Tester ta facilité à donner ou encore ton engagement à épargner. Tu dis qu'on monte, on descend. Je dois mettre de côté 500 000 par mois. On monte, on descend, n'importe comment. Je dois épargner 3 millions le mois. Je dois épargner 5 millions le mois. Et si tu as épargné peut-être pendant 3 mois, tu as épargné 500 000. Fais l'effort pour monter à 700 000. Après 3-4 mois, tu t'es habitué à 700 000. Monte encore un peu. Parce que quand ton esprit se conditionne déjà pour dire, d'accord, d'habitude je vis avec 900 euros, mais je n'ai que 500 euros parce que j'ai épargné 400. Je t'assure, tu vas trouver les voies et les moyens pour économiser. Tu vas aller acheter au lieu d'acheter les nourritures où tu prépares un repas par jour, ça te fait 30 euros. Parfois, vous préparez le héros. Oh, moi je veux manger africain. Je veux manger africain. Moi j'ai mangé un truc de chez nous. Alors que tu es en mode économie, ma chérie. Parce que tu vas acheter le dernier iPhone Pro pour faire tes vidéos TikTok. Même si tu dois manger les spaghettis tous les jours pendant 2 mois pour économiser l'argent. Parce qu'il vous connaît avec les dépenses. Ah, il faut se mettre à l'aise quand même. Il faut se mettre à l'aise. Peu importe le pays où tu te trouves, quand tu veux manger la nourriture de chez toi, généralement ça prend beaucoup d'argent. Vois un peu un budget si tu veux manger les pâtes chez toi. Et tu vas me faire fabriquer ta sauce tomate chez toi à la maison. Sinon, achète même pas ce qu'on a fait dans les boîtes. Voyons la recette. Il te faut, supposons, tu prends pour une semaine un paquet de spaghettis par jour. Et un paquet de spaghettis, c'est peut-être 1,20 €. Les spaghettis coûtent combien chez vous là actuellement? Dites-moi s'il te plaît. Supposons 1,20 € paquet de spaghettis. On est en train de parler de 5 jours. Ça, c'est le début, hein, parce que tu as besoin du fonds de commerce. Et les spaghettis, quand tu manges les spaghettis, ça n'est pas sur ton visage. Le tapioca n'est pas sur le visage de quelqu'un. Ça n'est pas écrit sur ton visage. Oh, la fille a raison, une fille qui mange le tapioca. Oh, jamais. Supposons, voilà, un paquet de spaghettis au Cameroun, c'est 400. Tu as décidé que tu vas manger ça sur 5 jours. Donc 4 fois 5, 20. Tu achètes les spaghettis de 2000 francs. Tu mets dans la moire. Tomate. Supposons que tu n'as pas le frigo. Chaque jour, tu as peut-être tomate en conserve. C'est une chose que je ne conseille pas trop. Au lieu d'acheter la conserve, bêta, tu peux au quartier, tu achètes la tomate de 200 chaque jour. Tu peux pas avec. Et laissons même que tu achètes un bunga, tu peux pas ta sauce de spaghettis avec. Ou bien tu peux mettre ta viande peut être l'œuf. Un œuf de 100 francs. Donc, pâte, les pâtes de 5, de 400. L'œuf, un œuf, 100 francs, ça fait 500. Tomate de 200. Avec tous les petits condiments là. Tu vas voir que le repas que tu vas préparer à 1200 maximum. Tu vas manger ça le matin, tu vas manger ça le soir. Et vous savez qu'à Douala, tu peux prendre 15 minutes, tu peux préparer avec. Ou tu achètes la viande. Tu achètes la peau du bœuf, tu achètes le macandi, les macandias, tu achètes parce que tu veux manger le héros. 15 000, tu mets ça dans la marmite. Mais comme tu as un projet, Tanzanie, voilà, 1,20 €, merci beaucoup. Voilà, en Côte d'Ivoire, 200 francs même en plus. Ton objectif va déterminer tes dépenses. Et pendant le début, quand je faisais même mon Airbnb, j'ai trouvé une soeur de l'église. Je suis allée dormir sur son canapé pendant 3 semaines, pendant que je louais mon appartement. Je ne sais pas si vous m'écoutez un peu. Oubliez vos affaires que vous voulez devenir belle là. Oubliez vos choses là. Je vous dis moi que moi mes t-shirts, je ne blague pas. On vient de voir avec le budget ici là.
que vous pouvez manger 4 euros maximum par jour. 1 euro panzani, si tu achètes la sauce qui est déjà faite, tu verses un peu dessus. C'est pas je suis sûr que ça va dépasser 3 euros par jour. Tu fais ça pendant 2 semaines d'affilée. Tu ne vas pas mourir. Hein. Tu ne vas pas mourir. 2 semaines d'affilée. Et même si la bouteille d'eau coûte cher, achète la bouilloire. J'ai les stratégies. Achète la bouilloire. Tu te lèves le matin, tu branches l'eau. Ça chauffe. Ou bien la nuit avant d'aller dormir. Tu ouvres un peu comme ça, là, tu laisses. Tu ne peux pas te coucher. Le matin, tu prends ça, tu mets dans ta bouteille Tanguy pour aller avec au travail. Parce qu'au Gabon, l'eau, une bouteille d'eau à l'achat chez le boutiquier, tu achètes, il y a l'eau Anza là, Anza, 3600 pour 6 bouteilles. Ce n'est pas l'eau du Cameroun que c'est 1500 pour 6 bouteilles là. 3600, 6 bouteilles d'eau. C'est chaud, tu portes l'eau du robinet quand ça vient même, parce qu'il n'y a même pas l'eau tout le temps au Gabon. Voilà, pâte 1,20€, sardine 1€. Et tu sais que tu peux aller dans un restaurant par jour là-bas, tu peux décider de préparer le héros en France. Oh, moi je veux te manger. Tu pars, tu sors 20€, tu prépares avec. Tu manges 20€. Sur les 20€ là maintenant, tu prends 15€ par jour. Tu te déposes de côté. Pourquoi? Parce que tu as un objectif. Tu pars chez Zara ou H&M, tu achètes 3 t-shirts. Lave-les seulement bien, parfume-toi bien, repasse bien. J'ai les périodes où j'ai débranché mon frigo parce qu'il n'y avait rien dedans. J'ai débranché mon frigo. Et c'est qu'aujourd'hui, là, on va appeler, dire à ma fille le matin, on mange les pâtes le matin, le soir, on pointe avec le tapioca. Voilà, l'eau Anza au Cameroun, au Gabon, c'est 650 francs la bouteille. Voilà. Multiplie-moi ça par 10 jours. Ça veut dire qu'en 10 jours, tu as bu 6250. Le manque de respect, mon frère. En 10 jours, tu as bu 6200. Pour la nourriture, tu as mangé combien? Si tu veux manger des pâtes en famille, c'est pas moins de 10 euros par jour au moins. Non, il n'y a pas de souci, ma chérie. Si c'est pour toute la famille, si tu es une famille de 5 enfants, ça veut dire que ton budget, normalement, si ce n'est pas les pâtes que tu mangeais, ton budget dépasse quand même 10 euros. Si tu veux préparer pour 5 personnes et c'est 10 euros de pâtes pour les pâtes, ça veut dire que si tu préparais les nourritures, d'autres types de nourriture, ça aurait coûté au moins 30 euros. Donc, tu es en train d'économiser 20 euros. Je dis bien, on économise parce qu'on a un objectif. Pas parce qu'on vous montre qu'on est la fille la plus pauvre. Sinon, l'argent que tu économises, tu ne vas rien faire avec. Supposons, je vais acheter une voiture parce qu'elle va faire le taxi, ça va aider. Je décide donc que pendant 6 mois, tout argent qui touche ma main seulement, la moitié de ça, j'économise. La moitié de ça, j'économise. Je passe mon dépôt en banque. Virement, banque, banque, banque. Après 2 mois, va voir combien tu as mis en banque. Tu seras choqué de voir comment tu dépenses. Effectivement, ce qui tue les Africains en Europe, c'est le complexe. Certains oublient leurs objectifs. Peut-être que tu es en train de construire ton immeuble au pays. Tu vas finir, tu vas mettre les locataires dedans. Tu es en train d'assurer ta retraite. La tirelire est trop petite. Moi, quand j'économise, moi, j'ai besoin d'économiser beaucoup d'argent. La tirelire est petite. Et l'argent, généralement, prenez-le en avance. Tu reçois ton salaire, 2000 euros, bam! Première chose, tu payes ta dîme. Parce que la dîme que tu payes va bénir le reste. Je vous dis, moi, à bon entendeur, chalut, chalut. Je sais que vous n'aimez pas souvent la vérité. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Tu retires d'abord ta dîme. Après, l'autre pourcentage, tu retires pour économiser. Après, tu payes pour la maison. Même s'il te reste seulement 20 euros pour un mois, ma chérie, tu vas trouver un moyen. Bloque l'argent là-bas, tu bloques l'autre, tu envoies l'autre au bailleur. Et tu t'assures, les 1 mois qui te reste à faire avec 20 euros là, tu vas trouver un moyen. Parce que c'est ça ta puissance.
Voilà l'autre qui dit location parking. Emsron. Logement déjà en location. Voilà, location de parking de voiture. Voilà, fois 10. Il me reste lancer mon snack par la grâce de Dieu. Du courage, Ems. La dîme, c'est, you call it in English, tithe. It's 10% of your earning. Si tu ne travailles pas, il y a quand même un argent que quelqu'un te donne. Toute personne, même l'enfant de 2 ans, il y a l'argent qui touche, que l'enfant la touche. Parce que si tu achètes ses couches, tu achètes ses habits, ça passe sur lui. L'argent, l'enfant la reçoit aussi un argent. La dîme, ce n'est pas seulement le salaire. Tout argent qu'on a qui touche ta main, la CAF te donne l'argent, paye la dîme sur ça. Tu retires donc, supposons tu as retiré, tu as reçu 1000 euros. Donc ton oncle t'a donné 50 euros, il rentre au Cameroun, t'a donné ses 50 euros qui restaient parce qu'il ne voulait pas changer l'argent à l'aéroport. On vient te donner 50 euros, paye la dîme de 50 euros, sauf 5 euros tu donnes. Bon, Yann Mwanga a dit, sois le meilleur, ce que tu fais, fais-le avec amour. Moi, j'ajouterais, demande à être payé pour ce que tu fais. Beaucoup d'entre vous, vous faites ce que vous faites avec amour, mais vous ne demandez pas qu'on vous paye. Et c'est ça qui vous bloque. C'est pour ça que tu travailles dans ce qui te passionne, mais ça ne te donne pas l'argent. Parce qu'il y a aussi ce conditionnement mental. Ah, je fais déjà avec amour, mais on doit te payer. La dîme se paye là où tu es nourri spirituellement. Il y a des personnes qui trouvent leur nourriture spirituelle chez moi. C'est-à-dire, je les motive, je les fortifie, ils payent leur dîme chez moi. Il y en a que elles ont un père spirituel qui les suit. Que s'il y a un problème à 2 heures, le père là se lève, oh papa, oh, il prie pour elle, il fait ceci. Donc la dîme, ça se paye là où tu es nourri spirituellement. Tu dois faire circuler. L'argent de la dîme et pour les orphelins, c'est différent. Il y en a qui partent dans les églises. Demandez à Dieu en tout cas, Seigneur, je peux payer ma dîme. Il va t'inspirer. Maintenant, quand tu économises peut-être pour acheter ta caméra, parce que tu veux lancer ta page, ou encore, tu peux décider de faire ta page YouTube ou encore TikTok, et tu as besoin de poster des vidéos chaque jour. Tu prends ton argent quotidiennement, tu payes l'Internet avec. Voilà un investissement. Tu manges peu parce que tu sais que chaque jour, tu vas mettre 1000 francs de connexion. Bonjour la reine et la panthère. Tu veux passer le live avec moi? Étais-vous dans un live hier? Tu bavardais au... Hein? Ouais, Seigneur. Tu mets ta connexion, tu passes sur des pages en ligne, tu apprends à faire les choses. Je dis souvent que quand tu viens de tomber sur mes vidéos... Tu viens de tomber sur mes vidéos. 30 000 pages passent par mois. C'est-à-dire, chaque jour, tu mets 1000 francs. Tu mets 1 giga, 2 gigas. Tu te concentres, tu écoutes. Tu écoutes. Et tu mets en pratique. Bon, je vais accepter. Il y a beaucoup de bruit ici. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui fait un... Je ne sais pas ce qu'on fait là-bas. Bon. Tu as envoyé l'invitation, c'est parti. Hein. Ton invitation est partie, ma chérie. Bon, je vais quand même te la renvoyer. On va voir. Bon, je vais me déplacer hein, parce qu'ici il y a beaucoup de choses. Bonjour, bon. Ma belle. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Ah, je vais bien, je vais bien. En tout cas, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Beaucoup. Merci, c'est gentil. Je regarde tout le temps, je dis ce matin, Marie, une brave soeur là-bas. C'est super. Moi aussi j'apprécie ce que tu fais. J'aime beaucoup ta page. Mais ça ici j'envoie, c'est vous voyez, non? C'est toute la vidéo où tu parlais des bénédictions quand tu arrives sur une terre là. Oui. Tu vas, même si c'est de l'eau.
J'espère que les gens qui regardent ça, ils écoutent et puis voilà, ils essayent de mettre en pratique parce que c'est vraiment, c'est ça. Moi, j'ai eu à le faire quand je suis arrivée en Allemagne. C'est pareil quand je suis arrivée en Suisse. Donc, vraiment, c'est bien ce que tu fais, se reconnecter avec les siens, même avec les entités des autres pays où on va. Parce que dans tous les cas, ça devient nos nouvelles maisons. Donc, effectivement, pour bien qu'on puisse être en paix avec eux, qu'ils ne voient pas qu'on est là pour venir faire du mal ou quoi que ce soit. Merci. C'est super. Merci beaucoup. C'est gentil. Sûrement, je ne sais pas si vous la connaissez, vous la suivez souvent, Zéla Panthère, elle donne beaucoup de conseils pour l'entrepreneuriat, d'être pratique, hein, vraiment pratique. Donc, vous pouvez aller sur sa page, vous voyez, elle a de très bonnes idées. J'écoute souvent tes trucs, tu as fait des vidéos sur la résine la dernière fois, pour les petits colliers, là, les choses comme ça. Je pense qu'au Cameroun, ça aiderait beaucoup les gens, beaucoup. Oui, je vais commencer à mener ça là-bas à partir de novembre. Parce que pour le moment, comme je n'avais pas encore beaucoup d'argent, je ne pouvais pas acheter beaucoup. Donc là, je vais acheter même 50 exemplaires dans les kits complets. Oui. Avec les colliers pour les bouches. Je vais acheter 50 complets et puis je vais d'abord voir comment ça va passer. Si je vois que les gens sont vraiment intéressés, je vais commencer à vraiment acheter plus. Vraiment, merci pour ce que tu fais. Si quelqu'un est sérieux et quelqu'un est vif, quand il va arriver sur ta page, il va beaucoup apprendre, beaucoup. Donc vraiment, merci et je t'encourage vraiment, du courage dans ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Non, moi j'aime beaucoup, beaucoup ce que tu fais, encore que je sais quelqu'un qui est attaché à sa culture et tout. Donc quand je vois mes vidéos, je mets dans les favoris, après j'envoie dans le groupe WhatsApp de la famille. Même si on m'appelle, toi tu dois mettre tes choses là, ou je te dis que maman, allez d'abord écouter, arrêtez de déranger les gens. Oui. Voilà. Ok. Vraiment, c'est un grand travail. Je te remercie. Bonne journée. Bonne journée, Aline. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc, merci pour ta participation. Voilà, il y a Anastasie qui dit, je l'ai découvert dernièrement. Je suis contente de savoir que vous êtes connectée. Non, je regarde souvent ses vidéos. Elle a des... Surtout les idées de business. Elle donne de très bonnes idées. Il y a même une idée qu'elle a donnée pour l'agriculture. Et parfois, on se croit toujours que non, j'ai un appartement, je ne peux rien faire. Je crois qu'elle disait que tu pouvais prendre des sacs que tu mets à ton balcon. J'ai bien regardé. Et j'ai compris en fait que quand quelqu'un veut réussir, il va utiliser n'importe quoi, n'importe où. Pas que je n'ai pas les papiers, je suis... peu importe le pays où tu es. Je suis au Maroc, je suis à Dubaï. Tant qu'il y a la terre là-bas, il y a les êtres humains comme nous qui mangent, qui respirent, qui vivent. Je suis sûr qu'il y a moyen de se faire de l'argent. Et si tu as le téléphone, parce que tu me regardes dans le téléphone... Donc, ça veut dire que si tu as le téléphone, ça veut dire que tu as accès à beaucoup de choses et les gens ont accès à toi. Parce que le téléphone n'est pas dans un sens. Le téléphone, ce n'est pas seulement parce que tu vas régaler les gens. Le téléphone, c'est aussi parce que tu vas régaler les gens, mais les gens vont aussi avoir accès à toi. Et c'est là, c'est ça, la crème de la crème. C'est ça le sucre alors, c'est ça alors la chimamelu. Parce que tu fais ta chose, tu mets, les gens peuvent te trouver. Et façonnez beaucoup de conseils que vous pouvez donner à distance. Ne limitez pas vos services seulement aux choses que vous faites en présentiel. Vous savez que quand il fait un séminaire, tout, écoutez, Canada ou Washington, où tu me suis, consultation, tout ce que vous faites et que vous refusez pour faire de l'argent, que ce soit des choses que soit on peut poster, soit quelqu'un peut avoir à distance. Ça va augmenter, ça va multiplier votre argent. Parce que ça ne va pas limiter votre public. Ça ne va pas limiter votre argent. Ça ne va pas limiter votre reach, votre portée. Voilà. On te dit que si tu faisais la kinésithérapie en Europe, tu gagnerais beaucoup d'argent. Tu peux même avoir le don de masser les gens. Hein? Ce n'est même pas que tu es parti à l'école de ça. C'est pour ça qu'il dit toujours que vos dons sont monétisables. Tu peux être quelqu'un que tu écoutes. Quand tu écoutes quelqu'un, tu le conseilles. Et Dieu vous a permis de vous entraîner déjà sur beaucoup de personnes. Tu as conseillé combien de personnes ils ont réussi. Tu as une étiquette de coach que tu ne connais même pas, tu négliges. Merci pour les fleurs, Elia. Tu négliges ton étiquette de coach. Yann Mwanga, je vois tes commentaires, mais je pense qu'il y a un peu trop de blabla dans ce que tu dis. Tu comprends? J'aime pas quand les gens parlent trop. Après, ils ne font pas. Tu là, ça semble déjà des personnes que...
Tu vois, tu vas motiver. Ouais, allons-y, on peut y arriver. Yeah. C'est pour ça que dans, vous voyez, je ne sors pas trop les gros mots quand je vous parle. Parce que pour moi, l'argent est concret. Et c'est pour ça que ceux qui ont le plus réussi dans l'étude de business, ce sont les gens qui n'ont pas trop. Parce que pour lui, le business est simple. J'arrive, vous n'avez pas les chaussures. J'achète les chaussures à Dubaï, j'achète les chaussures en Chine, je viens vous vendre. Pas les gens que j'ai. Oh, tu sais, la chaussure ici, c'est les cascades au beau coton. Tu sais, non, il ne complique pas les choses. L'argent est dans la simplicité. L'argent est dans la simplicité. Compliquez pas trop les choses. C'est pour ça que quand moi je parle, quand quelqu'un vient avec un gros mot, oh, tu sais, on appelle ça la technique de stratégie, d'augmentation. J'ai dit que pardon, please. Tout ce que je connais, c'est que quand je vois, je ne suis pas là à l'école de management, mais si c'est un truc que je connais, ou bien l'école d'entrepreneuriat, c'est que n'importe quelle terre dans laquelle vous me mettez, I can manage people. And I can make money. I can make money. I can teach you how to make money. Yann Mwanga, ne commente plus. Tu as compris. Tu vas m'énerver, je vais te bloquer. Ne commente plus. Je compte sur moi-même. Je suis en paix avec moi-même. Tu bagarres avec qui? Ne commente plus, Yann. Ne commente plus. Calme-toi. L'argent est dans la simplicité. Tu vois un problème, tu le résous. Clair, simple. Parce que vous compliquez. On m'a dit que j'ai besoin du diplôme. Vous serez surpris des choses que tu peux faire chez les Blancs. Du nombre de choses que tu peux faire chez les Blancs. Sans avoir de papier, sans avoir de compte bancaire, sans avoir de diplôme. Prépare la nourriture, c'est bon. Même si on dit que pour il faut d'abord avoir le diplôme, il faut avoir ceci. Ma chérie, c'est bon, non? Quelqu'un fait. La langue là ne manque pas. You know the lie. Non, il faut que tu ailles dans l'école culinaire. Oh, il faut que tu ailles. Tu dois d'abord faire ton cap en cuisine. Oh là là. Pendant que tu as fait le tout pour avoir le diplôme là, va même sur YouTube déjà, tu apprends. Bonjour Stéphane, comment tu vas? Merci pour les casquettes que tu as te donner. Judith, bonjour et merci. Quand c'est bon, c'est bon. Quand tu es performante, quand tu connais ta chose. C'est pour ça que chaque fois que quelqu'un entre dans mon bureau, ou bien quand il vient d'arriver au Cameroun, les gens étaient un peu sceptiques parce qu'ils faisaient des thérapies. Écoutez, j'ai tiré sur tout ce qui a bougé. Et j'ai bougé sur tout ce qui a tiré. J'ai fait des thérapies de couple, thérapie d'enfant, oh là là, quoi d'autre, conseil, j'ai fait quoi, j'ai même voulu faire la restauration, chose que je n'ai pas encore abandonné la restauration totalement. J'ai voulu encore faire quoi, salle de sport même, j'ai voulu ouvrir, j'ai vendu encore quoi, ça c'est en trois ans. J'ai ouvert l'église, j'ai fait beaucoup de choses. Quoi d'autre, ça ce n'est que 1% de mes projets. Maintenant, quand quelqu'un arrivait, il me disait, un jour, il y a un maire d'une des communautés de Douala qui m'a appelé. Le maire m'appelle, il me dit, je ne peux pas venir chez toi parce que je suis bien sûr le maire, comme tu connais. Il faut absolument que tu viennes plutôt chez moi. C'est telle personne qui m'a donné, j'ai un de mes amis qui m'a donné ton numéro. Quand tu es bon dans ce que tu fais, on va te recommander. On va te trouver. Et on va te payer. Parce que la majorité d'entre vous, quand vous faites vos choses, vous ne faites pas bien. Vous ne vous appliquez pas. Va chaque soir, tu apprends un truc sur YouTube. Tu apprends encore notre truc, tu te perfectionnes. Tu apprends encore notre truc, tu te perfectionnes. Tu apprends encore notre truc, tu te perfectionnes. À un moment, tu arrives à l'étape qu'on appelle mastery. Tu deviens maintenant maître dans ton art. Tu maîtrises la chose. C'est pour ça qu'on paye, les experts comptables sont payés cher. C'est pour ça que vous allez voir les docteurs sont payés une certaine somme, mais les spécialistes sont payés plus cher. Et rien ne dépasse l'exercice. Tu dois t'appliquer, tu dois t'exercer, tu dois t'exercer, tu dois t'exercer. Au départ, tu peux offrir ça gratuitement. Quand je venais de commencer en 2018, j'ai fait du Airbnb. Quand j'ai fait le Airbnb, j'ai mis un peu d'argent de côté. En juin, je suis allé en Turquie. Je cherchais la marchandise pour revenir vendre. Je suis allé là-bas, monsieur m'a arnaqué. Il a arnaqué, j'ai dit, ah, pas de souci. Je suis rentré, j'ai tout continué quand même. J'ai pris
une certaine somme. J'avais mon Airbnb qui tournait. J'ai cherché le deuxième Airbnb. J'ai cherché un deuxième appartement. J'ai meublé l'appartement. Donc j'avais, il y a deux appartements qui me donnaient des sous. J'ai pris des sous encore. J'ai pris un bureau. J'ai loué le bureau, j'ai payé, j'ai aménagé. J'ai acheté maintenant les outils dont j'ai besoin. Le ring light, j'avais acheté un canapé en cuir que j'ai mis dans le bureau. Ceux qui sont venus chez moi en Reims, très peu sont venus. Donc j'avais le Airbnb que je faisais. J'avais arrêté de faire les croquettes parce que j'avais plus de temps. Et j'avais déjà assez d'argent quand même des deux Airbnb. Donc je pouvais arrêter les croquettes. Et donc le bureau que j'avais loué, je me suis donc consacré. J'ai mis beaucoup de temps pour travailler maintenant ma page, mes capacités. Donc j'ai payé beaucoup de séminaires, j'ai passé par beaucoup de séminaires. Beaucoup de séminaires en ligne maintenant. Je regardais comment est-ce qu'on parle. Parce que j'avais cette vision-là où je me voyais comme conférencière. Mais mon premier séminaire, je le fais le 27 ou le 28 juillet 2018. J'ai eu quatre femmes physiques qui sont venues physiquement. Une équité de Rennes. Rennes-Reims, c'est 6 heures de route. Elle a fait 6 heures de route pour venir. Elle a payé son hôtel. Elle est venue s'asseoir pour m'écouter faire mon séminaire. Je venais à peine de louer mon local. Je venais à peine de tout. J'avais une vision. Et en ligne, je crois, j'avais 4 ou 5 femmes. 4-5 en ligne. J'avais physiquement, j'en avais 4 aussi. 4. Donc, je pense que c'est peut-être 9 en tout. Et c'est, je vous assure que l'affaire de vision, c'est... Quand personne ne me suivait, personne ne me croyait. Moi, je croyais. Et j'avais commencé à investir dessus. Donc, mes premiers clients, je les faisais gratuitement. Je me rappelle, j'avais une amie qui était marocaine. Et j'avais une amie polonaise. Mes deux amis, là... La polonaise venait de sortir d'un break-up, d'une relation là, et elle venait de traverser quoi là. La polonaise avait quoi encore comme problème? Elle faisait une sorte de burn-out. Je la suivais gratuitement. Et la marocaine venait de se séparer de son gars. Donc je dis ok, je l'ai invitée à mon bureau, elle arrivait, voilà, elle arrivait voir le local. Elle dit mais tu ne blagues pas, hein? Ton affaire là, tu étais sérieuse? Oui, oui, oui. Je dis assois-toi, je mets le chrono, je prends mon cahier, je m'assois, voilà. Bonjour la reine Oferta. Je la consulte, je consulte. Après, on va devant le miroir. Je n'avais pas de miroir dans mon bureau. Je l'amène aux toilettes. C'était vers 17h, 18h. Donc, le bureau était déjà un peu vide. Donc, je l'ai amené aux toilettes communes. Je l'ai mise devant le miroir. Parle, allez, parle. Qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Qu'est-ce que tu te vois en train de faire demain? Je la coach, la coach, la coach. Après, je me dis, comment tu te sens? Ah, oh, je me sens bien. Ouais, franchement, c'est super bien. Donc, les premiers clients, ils m'ont pas donné l'argent. Après, j'ai commencé à faire des promotions sur Facebook. Ça devait être octobre comme ça. Promotion, je disais, ok, j'ai besoin de 10 personnes que je vais coacher gratuitement. Les gens sont venus. Après, les témoignages de ces personnes-là, j'ai pris dans leurs témoignages et j'ai maintenant partagé sur la page. Les gens ont vu. Waouh, moi aussi je veux. Donc, quand je parle de ce que vous avez sur le long terme, il y a le court terme qui va te donner l'argent, là. Il y a le moyen terme. Le long terme va demander des heures de travail. Ça va demander aussi de l'investissement. Et ça va demander de la patience. Mais quand le long terme commence à payer, l'âne de ça est sucré. L'âne de ça vient beaucoup. Maman. Souvent, tu vois les concepts, tu dis que, hein? Nah, j'ai eu raison de croire. Parce que ce n'est pas beaucoup de personnes qui vont croire et qui vont pousser jusqu'au bout. Pendant que tu as deux clients aujourd'hui, vois comment tu as 1000 personnes qui vont venir à tes conférences. Vois comment tu vas voir 1000 personnes qui vont venir te regarder. Oui. Parce que les dons là, les dons que tu sens en toi là. Moi, je dis toujours un don. Hein. Mon don, que ce soit en 2015 et en 2025, je suis toujours la même personne. C'est toujours moi, Jocelyne, non. C'est seulement que j'ai eu de plus en plus confiance en mon don. Il y a ce genre, ce monsieur, cet homme-ci qu'on appelle le médium de... Il y a un jeune médium comme ça qui fait des lectures aux gens de Hollywood. Il est jeune, il a peut-être 26 ans maximum. Il a commencé depuis qu'il a 19 ans. L'autre jour, ça fait peut-être un an et demi, j'étais tombé sur sa page. Et à ce moment, mes dons de médium n'étaient pas encore réveillés.
Quand j'étais tombée sur sa page, sans plus, sans aucune. Ah, je me dis, ah ben, est-ce que c'est même vrai? Est-ce que c'est... Mais après, il parle, et les gens commencent à pleurer. Oh, franchement, tu m'as touchée. J'ai regardé une vidéo où il a parlé à Bobby Brown, le mari de Père son âme, Whitney Houston. Donc, il a canalisé l'énergie de Whitney Houston. Et vous savez que quand j'étais chrétienne, le genre de chrétien qui ne croyait pas aux ancêtres, là, ça, c'est des trucs que c'était déjà en moi, mais je ne croyais pas. Parce qu'il me disait que non, ah, si le pasteur apprend que tu parles avec les morts, hey, Jesus is Lord, oh, on va t'exorciser 50 fois. Oh. Bon, c'est des dons que j'avais déjà. Un jour, je suis en méditation, ma mère commence à parler. Ma mère est morte, ça fait déjà 15 ans. Je dis, arrête de moi, Satan. La nuit, elle se pointe dans mon rêve. Il dit, non, ça, c'est non. Ce n'est que quand je suis partie de l'église, parce que j'ai vu des pratiques là qui m'ont énervé. Je me suis fâchée avec Dieu, je suis partie de l'église. Je suis tombée donc sur des gens qui m'ont fait comprendre que ça, c'est un don que tu as. Voilà, Hollywood Medium, merci beaucoup Santana. Donc j'ai regardé l'émission, ça fait peut-être 3 jours. Et quand je vois le jeune homme, je dis, mais attends, ça c'est exactement les dons que j'ai. Il reste et dit, j'entends ça. Parce que quand tu fais en fait de la canalisation d'énergie, ou bien quand tu parles avec l'ancêtre de quelqu'un, c'est juste. J'ai eu cette instance, par exemple, une dame, elle s'était mariée avec un blanc. Et pendant le Covid, il est parti. En France, il était au Cameroun, il vivait bien, elle avait un duplex, voilà. Pendant le Covid, donc, il est parti en France, il est arrivé là-bas, il est mort. Or, le mariage qu'il avait fait avec elle en Afrique n'avait pas encore été légalisé en France. Donc, c'est comme ça qu'elle se retrouve du jour au lendemain. Je cherchais un duplex, en fait, pour faire un de mes bureaux. Donc, j'arrive, je veux louer l'endroit, j'arrive, je trouve, mais la maison est désordonnée, elle était déprimée. Donc, on a commencé à se parler, et puis, c'était 3 mois après. Je suis le matin dans ma méditation, j'entends l'esprit de son mari qui me parle. À ce moment-là, j'étais déjà ouverte à ça. Il me donne donc, quand ça arrive généralement, avant ça m'arrivait juste pour des connaissances. On ne me payait pas pour ça avant. C'est maintenant que je peux le faire consciemment et je demande qu'on me paye. Donc, j'écoute. Il me dit, enregistre. Il parlait de cœur, il y avait un problème de cœur, palpitations, je ne sais pas trop quoi. Je ne me rappelle plus trop bien du message. Mais j'ai enregistré l'énergie que j'ai sentie, j'enregistre. Et après, je lui envoie le message. Maman, elle, à 11h comme ça, elle m'envoie un message en larmes. Elle dit, ma chérie, depuis 3 jours, je ne fais que pleurer, j'appelle son nom. Elle dit, effectivement, elle est à l'hôpital. Le docteur lui a dit qu'il faut qu'elle fasse attention à son cœur. Parce qu'elle pensait, elle était trop pensée. Les dettes, en fait, elle était criblée de dettes. En fait, il m'avait dit de lui, elle me devait peut-être 150 000, un truc comme ça. Il m'a dit, annule cette dette. Ouais, parfois, les ancêtres peuvent dire d'annuler les dettes. Il m'a dit, annule cette dette. Et tu lui dis que c'est moi qui t'ai dit de lui, c'est moi qui t'ai fait annuler la dette. Et tu lui dis ceci, ceci à côté. Donc, voilà. Donc, ce don, c'est quelque chose que j'avais depuis, mais que je n'avais pas exercé. J'ai commencé à l'exercer. Après, j'ai vu que d'autres personnes. Mais attends un peu, mais attends un peu. C'est un don que les gens peuvent payer. Vous voyez un peu. Vous avez des dons en vous. Il y en a parmi vous, par exemple. Vous savez très bien habiller les gens. Et vous vous habillez vous-même aussi très bien. Conseil vestimentaire. Ah non, tu sais, qui va venir? Qui va prendre mes services? Ah, qui va arrêter de douter de vous? Voyez-vous en train d'habiller la femme de Macron? Voyez-vous en train d'habiller la présidente Chantal Biya? Ah, je crois que Chantal Biya, elle est sûrement une reine. Elle. La reine Chantal Biya. Ouais. Ouais. J'ai d'ailleurs la confirmation que c'est une reine. Elle n'est pas seulement présidente de la République, mais elle est reine, reine. Pas seulement femme de président. Donc, quand tu as tous les dons qui sont en toi, en attendant de les perfectionner et de les monétiser, et ça va venir sur le tas, en fait. Tu apprends. Pendant que tu bouges, tu fais ça. Tu bouges, tu fais ça. Tu bouges, tu fais ça. Et parfois, même, il y a un service qu'au départ, tu demandais 50 euros. Dans 1 an ou 2 ans, tu te retrouves à te demander 200 euros pour le service. Parce que tu as eu confiance en ton don. Je ne parlerai pas de rêve aujourd'hui, Landry. Tu as compris. Si c'est Yandi, si c'est Landy. Je vous ai dit au départ que si quelqu'un veut que j'interprète son rêve, non. I said, no. I'm not gonna do it. OK? Right. Donc, c'est un chemin. Mais, s'il y a un truc que je peux vous dire, c'est que quand tu t'engages sur ce chemin, ça va payer. Agence de mannequins, on en manque beaucoup au Cameroun.
Votre problème quand vous lancez souvent tout, c'est que vous-même, vous n'y croyez pas. Vous devez croire. Chaque jour, vous me voyez en train de faire les vidéos, sinon. N'est-ce pas? Je crois en ce que je fais. Je crois, je vis ce que je fais. Donc, s'il n'y avait pas de fans, il n'y a pas de followers, je serais mon fan, je serais mon followers. I'll be my own follower, you know. I'll be my number one fan. Yeah, Jocelyne, vas-y. Yeah, tu peux le faire. Yes. C'est bien ça, Jocelyne. Yes. Be your own cheerleader. Faut être ton propre cheerleader. Parfois, vous ne croyez pas vous-même en ce que vous faites. Est-ce que c'est bon? Tu penses que ça va? Je lui ai dit de partager mon truc sur sa page, elle n'a pas partagé. Alors qu'elle a 90 000 followers. Elle pouvait bien me lancer comme ça, non? Que qui m'a lancé? Hmm? Crois en toi. Il y a les gens que je suis, hein? Seulement parce que la personne a tellement confiance en elle que je regarde, ça m'amuse. Parfois qu'elle veut rire. Il y a un gars comme ça, là, il fait des vidéos, il a jamais les chemises, c'est un belge, il a jamais des chemises, il a toutes des couleurs bizarres, avec les longues chaussettes comme ça, là. Il fait ses vidéos, il fait. Après, ils font ça, là, je sais pas, je regarde le gars comme ça. Il dit que tu sens doux, qui t'a montré que tu es comme un clown. Mais il a confiance en ses dons de clown, mon frère. Je connais pas son nom. Toi, tu dois croire en ta part. C'est ça qui va attirer les gens. Sylvie Kwaku, tu veux que je te coache? J'avais arrêté un peu le coaching. Mais j'ai des vidéos que je vais te donner, tu vas regarder. Donc, le séminaire qu'on a fait le mois passé, le 25, comment relancer son business, vous pouvez l'acheter, ça coûte 10 000 francs. Ce séminaire est disponible à 10 000 francs. Voilà. Le numéro, c'est le 600-00-237. 693-50-22-66. Et quoi que vous fassiez, proposez vos produits et services. Sinon, tu vas parler, tu vas sécher ta bouche. Après, tu ne vas rien manger. Toutes mes filles, tous mes fils spirituels, moi, ils vous disent, cache, fais ta chose où tu cherches l'argent. Ce que ta dîme va diminuer. Ce que ta dîme va diminuer. Et je vous parle comme ça parce qu'il veut que vous avancez. Ta dîme augmente. Mais ton argent augmente, ta dîme augmente, non. Je suis une femme d'affaires. Raïssa, je ne parle pas de toi, tu as compris. Je suis ici là, je ne parle de personne aujourd'hui. Si vous voulez me donner un fleuve, vous me le donnez. Vous ne voulez pas donner, vous partez. Voilà. Si ce qu'il dit ne t'aide pas, c'est que ce n'est pas pour toi. Je ne parlerai pas de quelqu'un en particulier. Si ce qu'il te dit, ça t'aide. Celle qui dit qu'elle veut payer sa dîme chez moi, contacte-moi en inbox. Voilà le numéro. Sur mon TikTok, il y a le contact. Je vais t'envoyer les détails. Tu vas envoyer ton argent. Et je bénis. Je vous précise que quand vous voulez payer votre dîme chez moi, parce qu'il y a tellement de dîmes parfois que ce n'est pas moi qui reçois directement la dîme. Donc je bénis vos dîmes. Maintenant, avant d'envoyer ta dîme, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois prendre ta Bible. Tu prends Malachie. Va un peu prendre ma Bible là-bas, tu viens avec. Reine. Reine, viens. Tu aimes le jeu. Viens, je vais te porter. Viens là. Viens, tu vas dire bonjour à mes gens. Ah. Dis bonjour. Oh non, ne me lèche pas. Dis bonjour. Bonjour, dis bonjour. Oh là là. Regarde la caméra. Ici. Merci. Dépose là-bas. Il y a deux Bibles. Pourquoi tu as pris une seule? Prends la grande Bible aussi, tu viens avec. Je vais vous montrer ce que vous allez dire quand vous allez lire la. Vous allez payer votre dîme. J'aime trop les câlins, ne me lèche pas. Dites bonjour. Bonjour. Elle vous dit bonjour. Le caniche, ça fait peur. Hein, Eyan? Tu as eu peur du caniche? Il y a ses frères à doigts là, ils sont noirs. Ne me lèche pas. Il y a ses frères à doigts là, ils sont noirs. Eux, ils sont un peu plus grands qu'elle. Il la dépasse d'un mois et demi, je pense. Voilà. Va jouer.
Ok. Vous allez prendre le malachi pour bénir vos dîmes. Bénissez vos dîmes d'abord avant de les envoyer. Malachi, c'est avant Matthieu. C'est le dernier chapitre de la Bible avant Matthieu. Quand j'étais arrivée là-bas, et en tchat, j'ai eu peur du chien. Ils aiment seulement jouer. Ces deux frères, quand tu les vois, ils se couchent seulement sur comme ça. Ils soulèvent les pieds. Ils disent, hey, tu es une femme. Il vous sauve la main, il vous amène les pieds comme ça. Vas-y, il veut que tu le châtes. Bon. Vous connaissez Malachi. J'insiste beaucoup sur la dîme parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez des business, mais ça n'avance pas. Et parfois, même vous payez vos dîmes, mais vous ne payez pas bien. On ne vous a pas dit comment payer la dîme. Ah ah, voilà, lumière et soleil, voilà. Elle s'appelle Reine. Je crois que le prochain, je vais le nommer Argent. Non, je vais l'appeler Ncap. Ncap, voilà. Ncap. J'essaie de trouver un bon nom. Ncap, il me faut encore une femelle. Parce que lumière et soleil, c'est des mâles. Et Reine, c'est une femelle. Donc, il me faut encore. Je sais pas, il me faut Ncap. Je vais l'appeler Ncap. Voilà. Donc, vous prenez Malachi, chapitre 3, pour la dîme. Vanessa, je ne sors pas de ce que je suis en train de dire. Ok? Voilà. Donc, vous prenez Malachi chapitre 3, verset 10 dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc, je vous nourris spirituellement. Je suis en plein pointage, au cas où vous ne savez pas. Je suis en plein pointage. Et en passant, ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez partir. Ne croyez pas que je n'ai pas peur d'une vue ou d'une personne qui regarde ma vidéo. Je n'ai pas peur de ça. Je l'ai fait pendant tellement d'années. J'ai eu tellement d'années où je faisais mes vidéos, deux personnes me regardaient. Donc, vous prenez. Je ne fais plus mes choses pour plaire à la galerie. Malachi chapitre 3, on va prendre le verset 10. Donc, j'ai la version NIV. NIV, c'est New International Version. C'est un peu plus détaillé. New International Version. Et j'ai la version Louis II. Louis II, celle-là. D'accord. Donc. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Storehouse, c'est un peu comme le grenier. C'est un peu comme l'endroit où on garde les choses. Donc, quand Dieu te dit que apporte toute ta dîme. Et à l'époque, c'est pour ça que les Juifs sont très riches. Parce que les Juifs sont conscients de ces choses-là. Les Juifs. Le Juif avait des sources de revenus. Il payait sa dîme en bœuf, en argent, en or, en maïs, en blé. Donc, vous n'êtes pas censé seulement avoir... richesse vient ici. Merci beaucoup, Bozenga. Richesse. Très intéressant. Merci. Donc, le Seigneur est conscient que sa maison doit avoir un grenier. Si quelqu'un parmi vous m'écoute, il prêche la parole et il est pauvre, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est que ça va déranger certaines personnes. Donc, je vais prendre dans la controverse maintenant. Tu ne peux pas être spirituel. Tu sais l'univers, Dieu là qui t'a appelé. Et tu manques. Ça veut dire que quelque part, il y a une partie du message qu'on n'a pas bien lu. Dans le code là, il y a une partie qu'on n'a pas bien donnée. La version du semeur, ok, je n'ai pas la version du semeur, je l'ai laissée à droite là. Je ne peux pas voyager dans ma vie toutes mes bibles. Donc, si tu l'as, tu peux aller copier, tu viens coller ici là. Ou bien tu écris ici, comme ça on va la lire aussi. Donc, le Seigneur est conscient qu'il doit avoir un grenier dans sa maison. Donc, l'église doit normalement avoir et avoir les réserves. J'ai prêché la parole longtemps et je manquais pendant longtemps aussi. Ce qui fait que je me disais toujours, mais Seigneur, Seigneur. Quand j'ai compris ce principe, je suis censé avoir, je suis censé avoir en abondance, je suis censé avoir les réserves. Donc, il dit, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this. En français, ça dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Les écluses des cieux, les idées, les collaborations, les clients, tout ce que tu veux, ça vient du ciel en fait. Le ciel, ça te verse la bénédiction. Parce que moi, j'ai pris ma dîme, qui est le 10%, je suis allé déposer dans la maison de l'Éternel. Pour qui en est dans le compte d'épargne ou bien dans les réserves ou bien... Maintenant, le ciel vient s'ouvrir. Donc, je convertis mon argent que je donne en bénédiction.
Et il dit, quand il dit, ouvrez les écluses des cieux, il dit maintenant, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, tu amènes à la maison, ce n'est pas la maison qui demande la bénédiction sur toi. J'ai eu des personnes parfois que vous pensez que quand vous arrêtez de payer votre dîme chez moi, ça me fait quelque chose. You know, they change something on me, man. Si ma dîme par mois, c'est 3 millions, tu arrêtes de payer tes 50 000. Ne t'inquiète pas. Comme tu sors là, 5 personnes vont entrer. J'en ai eu souvent, non? Ah non, tu sais. Et vous devez même comprendre que c'est Dieu qui met au cœur des gens de vous donner. C'est pour ça que quand quelqu'un arrête de payer, je dis, tu étais béni, I bless you. The Lord bless you and keep you. May his face shine upon you and be gracious to you. Ah oui, oui. C'est Dieu qui amène les gens à moi. Et quand il les amène, c'est parce qu'il sait qu'il a un message dans ma bouche qui ça va les aider. Quand ils vont écouter le message là, lui, il va les bénir. Je n'ai pas la capacité de bénir un être humain. Quand on me dit souvent, vous m'avez vu dans vos rêves, vous croyez que c'est moi qui je suis tellement forte dans la nuit, pendant que tu es en train de dormir, je suis sur mon lit. Jamais. Vous faites ce que vous avez à faire, je fais ce que j'avais. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Le Seigneur est conscient qu'il y a quelqu'un qui veut dévorer tes choses. Je vous ai parlé d'économiser tout à l'heure. Tu peux économiser, tu économises, une maladie vient. Tant que l'argent là ne finit pas, la maladie ne finit pas. J'ai consulté une femme à Yaoundé un jour. Elle me dit qu'ils ont pris un crédit à la banque pour faire la dalle de leur maison. Ou c'est de la tôle, je pense que pour faire les finitions, ouais. La tôle et les finitions. Dès que le crédit est arrivé dans leur main, leur fille est tombée malade. Qu'ils ont dépensé le dernier billet de 10 000 de l'argent, là, l'enfant est sorti de l'hôpital. Voilà le dévoreur. Parfois, vous ne connaissez pas. Ah, j'ai les mains percées. Quand il prend l'argent, il connaît pas ce qu'il fait avec. Parce que vous rejetez le savoir. Buongiorno. Comment est-ce? Ma reine, j'ai trop d'idées dans la tête, en plus de la cuisine que je sais faire. Quand je t'écoute, je suis perdue. Si tu m'écoutes, tu es perdue. Pardon, qui tu m'as sur ma page. Peut-être c'est moi qui t'embrouille, ma chérie. Si quelqu'un m'écoute, il est perdu, vraiment. Je ne sais pas de quelle façon tu écoutes. Peut-être tu écoutes avec la tête en bas. Voilà la version du semeur. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. Vous voyez? Qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel. Écoutez, vous êtes censé nourrir vos pasteurs. C'est la parole qui dit. Et les affaires que vous discutez avec les pasteurs, là, je ne me bats jamais avec quelqu'un pour lui expliquer la dîme. Ne paye pas, tu vas voir sur toi, confirmer sur ton corps. Moi, je sais qu'elle paye ma part. Je sais qu'elle paye ma part. For you, I don't know. But for me, me and my house, we're going to serve the Lord. Qui est de vivres dans ma demeure? De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve. Déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Le Seigneur des armées célestes. Quand il dit qu'il va faire les écluses des cieux, vont s'ouvrir sur toi là. Parce qu'il sait que c'est lui qui domine là-bas. Vos bénédictions sont en haut. Alors vous verrez bien. Si de mon côté, pas le côté du pasteur, c'est pas le pasteur qui te bénit. Bene, bene, Afiwa, bene. Je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Dieu te dit. C'est Dieu qui te dit, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui dit, ce n'est pas moi. Tu ne peux pas payer. Si ton membre, tu dis, est-ce que je peux payer ma dîme à un membre de ma famille? Ça, c'est de l'aide, ce n'est pas la dîme. Regardez bien, c'est un peu comme si Dieu te dit, ma maison, c'est-à-dire là où on invoque mon nom, là où tu as besoin de prier, on prie pour toi. Si ton cousin ou ta tante ou ton oncle là, si c'est là-bas que la personne a la, si cette personne a la maison de Dieu, va donner.
Et la maison de Dieu, c'est là où le Seigneur te parle. C'est pour ça qu'il dit que là où tu es nourri spirituellement. Si tu sais que quand ça ne... Donc, quand il me met comme ça là, Dieu me parle, il me parle. Parce que quand j'écoute les vidéos de la femme ci ou de l'homme ci, va retourner ta dîme là-bas. Mon numéro est sur ma page TikTok. C'est le 00237 693 50 22 66. Bonjour Marie-Sylvie. 693 50 22 66. Pour qui est de la nourriture? Et là, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celle qui a mis la version Bible du semeur là, cherche le verset 11 et 12. Cherche le verset 11 et 12, tu vas voir. La dîme, c'est 10%. C'est-à-dire, si tu as 10 000, c'est 1000 francs. Ta dîme, c'est 1000 francs. Le dévoreur vient pour prendre ton argent. Le frigo se gâte. Oh, je ne sais pas. L'enfant tombe malade. La voiture se gâte. Dépense, 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 dépense. On vient, on te vole. Dépense. Voilà le dévoreur. Et il dit, il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Parfois, tu sèmes quelque chose. Tu commences un projet avec quelqu'un. Quand il faut payer, quand le projet va payer, quelqu'un d'autre vient prendre, vient, oh non, tu sais, moi, je peux faire mieux qu'elle. Alors que tu suis la personne-là depuis même 4-5 mois. Quand l'argent de ça veut tomber, quelqu'un vient prendre. Le dévoreur est passé. Sur TikTok, mon nom, c'est Reine Lumière. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Parce que le Seigneur sait que il est conscient que tu es même censé avoir beaucoup de plantations. Dieu connaît que tu es censé avoir beaucoup de plantations. Il dit que ta vigne ne sera plus stérile. Parfois, tu commences un truc avec quelqu'un. Dernière minute, par là. Les impôts, on vient, c'est même pas, on vient, on casse, on vient, je ne sais pas. Tout ce qui vient prendre ta bénédiction. Donc, pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira pas les produits de vos terres. Et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront pas plus de leurs fruits, déclare l'Éternel. Voilà la Bible du semeur, la version Bible du semeur. Et toutes les nations vous diront bienheureux. C'est inévitable. Ils vont seulement, la fille a la chance. Hey, comment tu fais pour que tes business marchent? Je paye ma dîme. Maintenant, avant vous payez la dîme sans être conscient, vous ne comprenez pas ce que la dîme fait. Quand tu fais quelque chose avec la compréhension, tu es en mesure d'avoir tout ce que la chose comporte. C'est comme si tu arrives quelque part avec un ticket. Le ticket là te donne accès à toutes les loges, toutes les cases. Tu pars dans un manège ou dans une foire. Il y a le ticket VIP, il y a le ticket petit. Ok, petit ticket peut-être 50 euros. VIP c'est 500 euros. Quelqu'un vient te donner un ticket en cadeau. Tu prends seulement l'enveloppe, tu arrives avec. Tu ne vérifies pas. Tu prends seulement ça, tu ne vérifies pas pour voir que dedans là, ce qu'on a mis, c'est quoi? Et que c'est 500 euros. Tu arrives, toute la journée, tu es en train de marcher là où il y a 50 euros, 50 euros. Tu ne sais pas que tu avais accès encore au sommet de la tour. Tu ne sais pas que tu avais accès là-bas. Tu avais accès même au caviar là-bas pour manger. Qui souffre? C'est toi, non? Voilà. Vous avez longtemps payé vos dîmes sans savoir de quoi il est question. Oui, oui, Betty. Quand tu commences un truc, tu supportes. Et quand ça va déjà produire, bim, on te rejette. Voilà. Et on te quitte, soit quelque chose de négatif arrive. C'est ça. Parfois, tu rencontres un gars, hein, tout va bien. Oh, mon bébé. Oh, le sucre de ma sauce. Oh, le plantain de mon avocat. Oh, tout va bien. C'est la première fois que je t'écris. Et c'était un peu au hasard sur la vidéo du Jujube et du Ndon. De plus en plus, j'attirais pas ton. Ce que tu dis pour la dîme, c'est exactement ce que je vis actuellement. J'ai pu faire des économies pour une fois dans ma vie. Premier jour de congé de mon frère vient avec un projet de voyage. Me voilà dedans, toujours responsable de tout le monde, sauf moi-même. Mais mon père est malade. Notre voiture depuis son achat au garage. Le vrai... Ah, oui, c'est ça.
Il y a Elsa qui dit, la vraie dîme ouvre les portes. Moi, aucun ne m'avait jamais donné 50 000. Mais lorsque j'avais donné ma dîme de 45 000, vu la valeur de mon salaire, le troisième... Donc vous écrivez, écrivez bien au bas. Donc vous sautez les mots, c'est difficile. De mon salaire, le troisième, un homme qui me faisait des avances m'a remis 50 000. Mais on n'est jamais allé plus loin jusqu'à présent. J'ai été sur son lit. J'avais eu en tout 75 000. Rien qu'au troisième jour, après avoir payé ma dîme. Tu vois. Voilà, je n'ai jamais eu... Okay. Maëva qui dit qu'elle n'a jamais eu un problème avec la dîme. Mais elle est tombée sur les faux prophètes. Mais la dîme compte quand même parce que Dieu voit l'intention. Exactement. Maintenant, quand vous commencez à payer votre dîme, vous devez chercher la terre fertile. Tu vas chercher la terre fertile. Si tu payes ta dîme, rien ne se passe. Deuxième mois, tu payes, rien ne se passe. Après, tu payes. Soit tu es en train de payer au mauvais endroit. Soit quand tu payes, tu ne comprends pas, tu ne fais pas bien. Tu fais bien quelque chose. Parce que quand tu payes au bon endroit, le jour où tu payes comme ça, bam, tu vas voir les choses qui vont commencer à arriver. La dîme guérit aussi. Hein. Parfois tu es malade, tu as un truc quelque part là. Oh, Seigneur, tu as dit que tu m'as enlevé le dévoreur, non? Voilà ma dîme que je paye, enlève le dévoreur, Seigneur. Dès que tu payes comme ça là, guérison. Bonjour la reine Sarah. Comment tu vas? Elle faveur. Tu es arrivé que tu es installé sur une chaise à quatre pieds. Ah, ça c'est super. Tout puissant, bonjour. Donc vous devez comprendre que ça, c'est fait partie des principes. Maintenant, donc, voilà le passage que j'ai lu. Supposons que tu veux payer ta dîme, non. Tu prends donc ton argent. Avant de faire ton transfert, si tu payes par transfert, avant de mettre dans ton... Tu mets dans ton enveloppe. Quand les gens viennent à MarketPay, je leur dis toujours, mettez dans l'enveloppe, vous écrivez dessus. Éternel des armées. Voilà, je t'apporte à la maison du trésor, ma dîme. Tu as dit de te mettre à l'épreuve et de te tester. Tu écris. Comme j'apporte ça, Seigneur. Tu sais, tant que je vais ouvrir la boutique là le mois prochain, non. D'accord, Seigneur, mets ta main sur ça. Seigneur, tu connais que les enfants, voilà la rentrée. Seigneur, c'est rien que toi qui vas me donner l'argent pour qu'ils finissent la pension là. Voilà, Seigneur. Oh, Papa Yahweh, je viens ouvrir les écluses des cieux sur moi. Je viens mettre la protection sur moi au nom puissant de Jésus. Je protège mes enfants. Je déclare que le dévoreur ne va pas dévorer les business que j'ai en cours au nom de Jésus. Tu peux appeler ton mari avec la dîme. Je recevais des promesses de fou par des prestataires grâce à la dîme. Voilà. Et parfois, on paye la dîme, après on laisse. Je me rappelle, je vous ai donné mon témoignage où, à une époque de ma vie, j'ai arrêté de payer la dîme. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. Je ne croyais pas que j'étais sainte ni touche toute ma vie. J'ai arrêté de payer la dîme à une certaine époque. J'ai passé 3 mois de galère. J'étais tombé malade. J'avais des attaques spirituelles. Donc, moi, voilà, en janvier, c'est chaud. Je n'arrive même pas à payer mon loyer. J'ai dit donc, ok, je vais commencer à payer ma dîme. Donc, premier mois, je paie la dîme, j'ai les dettes. J'avais une dette de 150 000 que je n'arrivais même pas à payer en une fois. Ça, c'était en janvier 2021. Donc, c'était chaud, en fait. Vous comprenez, c'était chaud. Donc, je commence à payer ma dîme le mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai un client qui m'a pris un service qui m'a payé 58 000. Février, mon business me donne 221 000. J'ai témoigné sur ça tellement de fois, c'est pour ça que j'ai les montants dans la tête. Mars, je relance mon livre pour les enfants que j'avais déjà écrit, que j'avais oublié carrément. Je le relance. Quand je relance donc, quand je relance le livre en masse, je me retrouve avec 400 000 francs de revenus.
Avril, je me retrouve à 1,6 million. Mai, je me retrouve à 2 millions 100. Alors qu'en janvier, je n'arrivais même pas à payer 150 000 à quelqu'un à qui je devais. Maëva, je paierai ma dîme, je suis guidée. J'aurais dit des primes, genre 1 000 euros en plus tous les mois. Vous voulez savoir ce qu'elle boit, pourquoi? J'ai déjà testé la dîme tellement de fois. Même les gens qui ne sont pas chrétiens paient la dîme. Ils retournent 10%. Il y en a, c'est même plus. Boubou, je t'ennuie. RN. Allocation chômage, tu payes, oui. Tu payes la dîme dessus. Pas forcément l'argent de tes mains. Tout ce qui touche ta main, qu'on a dit que c'est ton argent. Il ne faut pas que quelqu'un te donne son argent de garder, tu prends, tu ne peux pas payer la dîme avec. Donc vous avez compris maintenant, non? La dîme ne se partage pas avec les sans-abri. Tu payes ta dîme à part et quand tu veux aider les sans-abri, tu peux les aider. Même les orphelins. Le Seigneur a dit d'amener dans la maison du trésor. Donc j'ai bien précisé là où tu es nourri spirituellement. Voilà. Marie dit, je ne paye pas ma dîme, c'est pour ça, je ne trouve pas financièrement ma reine. Je promets de payer ma dîme, même si c'est 10 000. Ma chérie, ce n'est pas avec moi. Tu as fait comme si... Tu crois que si tu payes 10 000, 10 000, ça va changer quoi sur mon argent. C'est pour toi. Il y a des gens qui paient même 500 de dîmes. Tu as compris, ma chérie? Il y a des gens qui paient même 500. Donc, je ne suis pas en train de chercher, je ne recrute pas les gens. Je vous explique juste les principes qui vont vous aider. Celui qui veut, il met en pratique. Celui qui ne veut pas, il laisse, non. Est-ce que l'affaire, là, on dit que... Chacun qui sent que dans lui. Chacun sent ça dans lui. Voilà. Bon, j'ai terminé. Bon, si vous avez des questions maintenant, posez encore. Et ça que vous avez voulu dire, ça veut dire quoi? Je fais une vidéo sur TikTok, je dis que si vous voyez une plume, ça veut dire que votre ange vous parle. Quelqu'un m'écrit, il me dit que, et si la plume est multicolore? J'ai dit que, yeah, mais elle est... C'est la plume, non? Yohan, tu t'es dit que tu ne vas pas acheter de ça. Yves Patricia. Comment reconnaître les bons hommes de Dieu pour payer chez eux? C'est en fonction de ce que la personne a fait dans ta vie. Tu sais, la dîme, c'est une connexion spirituelle que tu établis avec la personne. La dîme peut être payée tous les jours. Si tes revenus sont entre tous les jours, tu peux payer à la fin du mois si on te paye une fois par mois. Et l'astuce de l'œuf, tu peux faire ça pour une maladie, peu importe ce que tu as. Oui. J'ai monté l'astuce de l'œuf sur TikTok ce matin, où tu écris dessus après tu casses. Bon, il y a Eyan qui va envoyer sa dîme. Tu envoies le numéro du Gabon, c'est le 07 40 0747 39 179. Ça, c'est pour le Gabon. Airtel Money. 07 47 39 179. Et le nom, c'est Jean Déric. Bonjour, et lumière. Mais si on ne part pas quotidiennement à l'église, on ne peut pas, on n'a pas d'église fixe. Oui, tu peux payer ta dîme. Les gens de France, parfois, ils payent par PayPal. Parfois, ils envoient ça par RIA. RIA, c'est mieux. Parce que RIA ne bloque pas. Maria, tu dis que mamie, que ce que je mixe ici là, ça booste l'esprit. Essayez Jésus, c'est terrible. Est-ce que cette nouvelle grossesse va rester, duchesse? C'est à toi de parler sur ton enfant chaque matin. Tu as compris, non?
Achète de l'huile de blindage, tu oins ton ventre avec chaque fois. Et l'esprit de peur n'est pas bien. Chaque fois que tu mets la peur dans tes choses, tu t'ouvres en fait à l'ennemi. Sylvie, je t'ai donné le numéro, non? Écris-moi et puis on va voir. Tu me demandes si elle veut te coacher. Je te dis de m'écrire. Écris-moi, non? Pierre, tu déclares que d'ici le 20 décembre 2022, tu as au moins 1 milliard d'euros. Vous pouvez payer par MTN Money. MTN Money, le nom c'est 680-711-0701. Bientôt, j'aurai un numéro en Côte d'Ivoire que vous pouvez. D'ici lundi de la semaine prochaine, pour la Côte d'Ivoire, on sera à Abidjan. Donc, vous pouvez venir sur place. Donc, MTN, c'est 680-711-07. Non, 680-711-0701. Voilà. Oui, le numéro Ange Money pour payer la dîme, c'est le 698-367-221. 698-367-221. La peur ne peut être chassée. Pour chasser la peur, tu dois écouter quelque chose qui t'apporte la foi. Est-ce que je vais recommencer le boulot ce mois de septembre? Dans le spirituel, j'aime plutôt que vous voyez ce que vous pouvez faire pour recommencer le boulot. À part le fait que tu as envoyé tes CV. Tu peux te laver peut-être avec du sel. Tu peux faire une libation. Tu prends de l'eau, tu verses, tu parles. Donc, votre truc, tu dis que, oh non, il a déjà dit que je vais avoir le boulot. Tu te couches à la maison. Ah, j'ai reçu ta dîme. Je bénis ta dîme au nom de Jésus. Donc, je vais bénir vos dîmes aussi en même temps. Je viens de voir le message pour la dîme de l'autre dame. Donc, si vous allez faire l'envoi par RIA, le nom c'est AB Solo. A-B-E-S-S-O-L-O. AB Solo. Le prénom c'est Charles avec S. Bronson. Charles Bronson. Abidjan. C'est pour l'instant, contactez-nous. Oh Linda, tu es une belle fille comme toi, tu aussi. Oh. Non, ne parle pas au médium, laisse-les. Tu as compris, ma chérie? Laisse-les. Si quelqu'un veut parler, c'est là, c'est son problème. Je l'ai déjà dit au marabout qui écrivait sur ma page de se laver avec le sel. Mais ils ne veulent pas comprendre. Je leur ai dit de se laver avec le sel. Marabout, mes astuces marchent. Lavez-vous avec le sel, marabout. AB, pas ABA. AB. A-B-E-S-S-O-L-O. Pas ABA solo, AB. PayPal, c'est très facile. Aurélie Michel. Michel avait deux L-E. Voilà, AB solo, Charles Bronson, c'est ça. Tu envoies dans la ville de Douala. Et le numéro de téléphone de la personne, tu mets le 00237 680 ou bien 688 711 0701. Good morning, Greg. Je viens bénir vos dîmes. Au nom de Jésus, je bénis vos dîmes. Donc, je n'ai oublié de donner PayPal. PayPal, c'est Aurélie Michel 2017. @gmail.com. Quand vous faites l'envoi sur PayPal, assurez-vous que ça s'affiche en livres sterling, en pound. Assurez-vous que ça s'affiche en pound. Très important. Assurez-vous que ça s'affiche en pound. Si ça reste en euros, c'est que ce n'est pas le bon compte. Aurélie avec E, Michel avec deux L E, 2017@gmail.com. Donc je vais bénir maintenant vos dîmes. Je viens bénir. Je m'accorde avec vos prières et ce que vous demandez. Je viens ouvrir votre esprit. Je déclare que tout ce que vous avez écouté dans cet enseignement ne va pas vous échapper.
Je déclare qu'aucune arme qui a été forgée contre vous ne va prospérer. Je viens de déraciner de votre cœur les tisons de bouteille qu'on a mis pour vous blesser, pour vous faire mal. Je vois beaucoup d'entre vous avec beaucoup de douleur de cœur, beaucoup. Donc quand je parle comme ça, là, tu écoutes, mais tu vois comment l'esprit de dépression sur toi. C'est comme un esprit qui s'affaisse sur toi. Je chasse tout esprit de dépression sur ton corps au nom de Jésus. Je chasse tout esprit de dépression de ton esprit. Je vois des bourdonnements. Là, carrément, on parle comme ça, mais dès que tu vas quitter d'ici, tu vas même pleurer carrément. C'est comme s'il y a la dépression. Je chasse l'esprit de dépression au nom de Jésus. Oui, oui, lave-toi avec le sel, ton feu va marcher. Prends le nom, tu manges avant d'aller pour le feu. Même le donne-moi tout, tu mets ça sur toi. Quand tu vas parler, ton mougou va donner jusqu'à. Donc quand vous faites l'envoi, vous écrivez sur le numéro, vous montrez la capture d'écran. Je chasse l'esprit de dépression, au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qu'on a fait pour fermer vos yeux, de poser les mains sur les yeux, toute personne qui a pris votre vision, je viens la restaurer au nom de Jésus. Je déclare que toute personne, tout mur qu'on a mis devant vous pour vous empêcher de voir plus loin, je viens casser ce mur. Je commande à ce mur de tomber au nom de Jésus-Christ. Oui, Angèle, je devais te refaire la vision, oui. Abaisse le Charles Bronson pour Ria. Jean, qui t'a appelé ici là? Tu dépenses tes mégas pour venir me regarder. On est dans un espace libre, tout le monde est libre. Tu prends ton téléphone que tu as acheté avec ton argent. Bon, à moins que tu sois gigolo, hein, c'est une femme qui a acheté pour toi. Tu prends ta connexion que tu charges. Et tu viens me regarder. Ah, c'est beaucoup. Ça ne te plaît pas, tu zappes. Tu as compris. Je restaure votre vision. Toute personne qui vous a embrouillé, toute personne qui a voulu... qui a mis un mur, je vois tellement cette affaire de mur, la mur. Tu es là, on a, tu vois, tu sais, ta vie est sans issue. Tu te lèves chaque matin, tes journées se ressemblent. Je sens un esprit de découragement intense. Amour, même toi, Jésus t'aime. Tu sais ça. Vous aimez dire aux gens que Jésus les aime. Jesus love you. Va d'abord toi-même, tu médites sur l'amour de Jésus pour toi-même d'abord. Vous êtes des pauvres là, vous aimez toujours ça. Ok. Les gens ont vraiment des problèmes. Jésus t'aime. C'est comme le caillou que tu lances sur quelqu'un. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mais ça, c'est pas possible, ça. Et la pauvreté n'est pas bien. Hein. La pauvreté n'est pas bien parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes aigris parce que vous êtes pauvres. Vous devez avoir l'argent. You need money. Parce que la pauvreté te rend aigri, malheureux, en colère, triste. Hey, oh. Tu vois que quand l'argent ça t'énerve, il faut absolument que je t'envoie une flèche. Il faut. Tu as mis 500 francs de méga, ça va bientôt finir. Ça va bientôt finir. Anastasie Blandine, je ne suis pas ici pour vous faire croire en qui que ce soit ou en quoi que ce soit. De toutes les façons, si je veux croire en quelque chose, je peux t'empêcher. Tu as compris, non? If you want to believe, believe. Je sais que vous aimez ça. Vous êtes habitué qu'au partage à l'église, le pasteur va vous appeler 50 fois. Tu n'es pas venu hier, pourquoi? Hein? Jésus t'aime, il faut venir. Écoutez, il ne vous force pas. Ne venez pas, ne priez pas. La souffrance va te toucher. Tu vas confirmer le code. Oui, Aurélie Michel, tout en un mot. À la base, Gmail. Gmail. Tu ne connais pas écrit G. Gmail, non. Comment tu écris Gmail? G-E-M-A-I. C'est G-M-A-I-L. Mmh.
Jésus t'aime. Jésus t'aime. Si vous connaissez même Jésus. Jésus a dit qu'à la fin, il va voir. Il va dire, mais maître, je te connaissais. J'ai prêché en ton nom. J'ai guéri en ton nom. Il va dire, je ne te connais pas. Il n'y a que Jésus qui connaît les gens qui le connaissent. Il n'y a que Jésus. Donc, c'est pour ça que vous n'avez jamais me voir et me mettre là. J'ai dit, oh, je connais Dieu plus que vous. Mais comme si tu viens, tu veux prouver aux gens que tu es riche. Quand tu es riche, tu es riche. Tu n'as pas besoin de montrer à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de faire la grosse voiture, le Louis Vuitton. Tu es riche, tu es riche. Voilà. Oui, là, Tania, si le lavage au pipi te fait, voilà, c'est ça. Sidonie, il n'y a pas de majuscule dedans, tout est en minuscule. Aurélie Michel 2017@gmail.com. Pas de majuscule, pas d'espace. Moi, j'ai tout vu. Avec mes 5 ans que j'ai fait sur les réseaux sociaux, aussi là. J'ai eu les prophètes qui sont venus pour me montrer. J'ai dit que pardon, je me pousse pour passer. Passez au pardon, avancez-vous. Avancez-vous. Quand je lave au pipi, ça va beaucoup te casser. Oui, le lavage au pipi casse beaucoup. Ça, c'est généralement dans les débuts. Parfois, même il y a des gens qui viennent de commencer le sel et ça les casse beaucoup. Voilà, le lavage de pipi te donne des allergies. Quand ça te donne des allergies, tu dois diminuer la quantité de pipi que tu mets dedans. Asundu, tu viens draguer les gens ici. Un jour, on peut se connaître. Tu as l'argent, Asundu. Si tu as l'argent, ça veut dire que tu vas, ta façon de draguer sera différente. Voilà. Quand quelqu'un a l'argent, il drague, c'est différent. Hein. Que bébé, je t'ai fait un dépôt de 500 000 là. Il drague différemment. Il partait dans ça aujourd'hui. Vous me connaissez. Les gens qui ont l'argent draguent différemment. Tu envoies mon chauffeur? Ouais. Tu restes avec lui toute la journée. De toutes les façons, j'ai les deux autres voitures. Ok? Tu vas voir un pauvre. Le riche va dire, mon bébé, mais attends. Alors, ton boulot là, ça allait te prendre combien? En 4 jours, ça allait te donner 500 euros. T'inquiète pas. Voilà. Viens, on va aller en week-end. On va aller à Paris. Ouais. Le pauvre va dire, tu n'as pas encore fini. Je t'attends dehors pour qu'on prenne le métro ensemble. Excusez-moi, pardon. Non, la pauvreté n'est pas bonne. La pauvreté n'est pas bonne. Poverty is not good. Et quand tu as l'argent, quelqu'un qui n'a pas l'argent te drague, ça fait rire jusqu'à. Tu regardes aussi qu'il va même me donner quoi. Je vais aussi voir comment il va essayer de m'impressionner. Voyons. Il fait ouais, tu vois, mon oncle avait la Mercedes. Et... Ah, Seigneur. Je suis le neveu ou la nièce de ton fils. Ah, Seigneur, la pauvreté n'est pas bonne. La pauvreté n'est pas bonne. Ibrahim le pétrolier, j'y vais très bien. Écoutez, les gens qui disent que quand tu dragues, le facteur déterminant pour savoir si tu vas sortir avec quelqu'un ou pas, à part le physique, est-ce que la personne est assise financièrement? Si elle me met avec elle, on part où? Where are we going? Il y a des hommes peut-être qui vont sortir avec toi, qui vont venir te draguer en tant que femme, parce qu'ils savent que tu as eu une certaine situation. Tu vas pas venir présenter les problèmes de 50 000, les petits problèmes. Non. Elle se gère déjà pour ce niveau-là. L'astuce pour le commandement, tu peux faire ça tous les jours, ma chérie. Et quand tu as déjà l'argent, à un moment, tu sais ce que tu veux. Ce qui fait que tu ne peux même pas
marcher avec les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que tu sais ce que tu veux et là où tu vas, tu marches, je ne sais pas comment on peut dire, tu as la capacité de converger vers les personnes qui savent ce qu'elles veulent aussi et là où elles vont. Vous voyez un peu? Donc je vous bénis. Je bénis vos journées. Bénis vos journées. Donc vous avez le numéro là-bas. Fergui, tu m'as contacté sur WhatsApp, je pense. Il y a tellement de messages, tellement de réseaux que parfois c'est pas évident. Donc bonjour Mélanie du RCA. Bonjour Yowagan Christian. Yowagan Christian. I bless you. I bless you. Bon, allez manger bien. Passez une bonne journée. Que vos